Hello à tous, bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue. Là je serai seul pour ce numéro. Je teste pour voir si le micro fonctionne normalement. Paf, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça va être bon. Tac, j'enlève ça. Allez, c'est parti. Alors, le principe de ce format en fait qu'on a décidé il y a quelques temps est toujours le même. C'est-à-dire qu'on sélectionne, là je vais le faire tout seul, mais on va sélectionner 5 jeux selon cette liste-là. Bien sûr, c'est ma liste de jeux que j'ai pour le moment sélectionné. Bien sûr, il y en a plein d'autres que je pourrais sélectionner. J'ai même décidé à l'instant, en fait, on envoyait un message à une copine que on pourrait aussi prendre comme format le fait de parler de manga. On pourrait très bien remplacer ce format-là par du manga. Ça pourrait être très bien aussi. Donc là pour l'instant je vais faire ça seul tout.
Ça va être assez court, ça va être un format d'à peu près une heure et demie, allez, max. Et voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres personnes parce que là, voilà, bon, ça arrive, les empêchements arrivent. Moi, je tenais absolument à faire ça parce que il faut tenir le cap quoi qu'il arrive, il faut tenir la constance quoi qu'il arrive. Et puis bon, j'avais un peu booké ma soirée pour ça et ça commençait à me gonfler de ne pas pouvoir le faire. Donc c'est parti. Je vais tout simplement envoyer. Vous me laissez juste 2 secondes, je vais envoyer ça aux gens. Paf. Alors, ça c'est bon. Je vais envoyer ça ici. Tac. Vous me laissez juste le temps d'envoyer les invitations. Je ne l'ai pas fait. J'envoie aux proches pour voir si les gens seront intéressés pour voir ma science incroyable se diffuser. Ma connaissance, non, je sais pas, non, je rigole, c'est pas une histoire de connaissance. On va surtout parler d'expérience personnelle face à ces jeux-là. Je vais pas faire l'historien du jeu vidéo en vous citant les anecdotes, etc. Peut-être, mais ça sera plutôt une expérience en fait personnelle de comment, dans quel contexte j'ai eu le jeu, qu'est-ce que ça me renvoie, les voilà, il y a tout un tas de lore, même au-delà du jeu vidéo, qui nous entoure en fait lorsqu'on a eu un tel ou tel jeu. Et du coup, c'est toujours très bien. Casino. Bienvenue à toi, mon gars. Bienvenue à toi, mon frérot. Installe-toi tranquillement. Ça va être une session assez courte. Là, malheureusement, je suis seul tout. Il y en a un qui est parti en vacances. L'autre, là, il a un empêchement. Et j'ai pas eu le temps de prévenir qui que ce soit, puisque tout s'est fait à la dernière minute. Donc installe-toi tranquillement, je vais essayer de parler de manière assez intelligible. Et j'avoue qu'à force de le faire, on se sent de plus en plus à l'aise, hein, je dois avouer. Donc voilà, je vais aussi allumer la lumière aussi, quand même, même si la lumière de la webcam fait le taf, mais je vais essayer d'allumer la lumière aussi pour faire un taf incroyable. Alors j'ai envoyé quelques invitations, mais voilà, j'ai été reconnu mon gars, Casino, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, tac. Paf. Ah, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Alors, c'est bon. Je pense que tout a été envoyé. Je peux me prendre la tête. Alors, c'est parti. Alors, le principe est simple, hein. Je vais tirer au sort avec je pense que je vais en faire un moi-même. Je vais en développer un moi-même. Ça va être plus simple, plus sympa. Parce que là, il y a de la pub, etc. Je voudrais faire un truc tout simple. Et peut-être à force, on va le rendre un peu plus joli avec du CSS, etc. Mais je pense que je vais faire un date picker, un random picker du même acabit, où je mettrai les noms des jeux, etc. Et après, je ferai le même random. C'est assez facile à faire. Donc, je le ferai. Bah, merci à toi. Merci, merci pour la force. Ça fait plaisir. Écoute, ça fait toujours plaisir. Alors donc. C'est parti pour le premier jeu. Malheureusement, il n'y a personne. Ah, je vais essayer de mettre un peu de musique. Parce que la dernière fois, je crois que c'était pas mal ça. Je vais voir si le son est pas trop fort. Allô, allô, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va rester comme ça. C'est pas mal du tout. Alors, je vais bien sûr garder mon téléphone pour voir les messages, les éventuels messages. Merci à toi, en tout cas, mon frérot, ça fait extrêmement plaisir. Alors, premier jeu, première sélection, c'est parti. Let's go. Allez. Alors le premier jeu qui a été tiré, King of Fighters versus SNK. Bien sûr, je vais illustrer ça avec. J'ai même pas mis la version. Je prends une merde. J'ai pas mis la version que j'espérais vous montrer. Alors je vais vous montrer tout simplement. Alors KOF versus SNK2. Voilà, je vais mettre ça comme ça en tâche de fond, tranquillou.
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ce jeu-là? En fait, ce jeu, c'est un peu un miracle. À l'époque, c'était quand même un miracle, hein. Le fait de voir enfin apparaître ce jeu. Je vais baisser le son de ça, désolé. Voilà. Alors, le fait d'avoir vu cette version, c'était un peu une. Pour moi, à l'époque, c'était quand même une. Je l'ai connu un peu plus tard, mais. C'était quand même une petite révolution à l'époque, c'est que quand même les deux concurrents qui se faisaient des jeux de combat à l'époque, Street Fighter versus avec King of Fighters. Et là en fait, déjà il y avait déjà eu une version qui est sortie uniquement sur Neo Geo. Et après ils ont fait une version qui est sortie sur les consoles là. Et c'était quand même une vraie claque à l'époque d'avoir en fait les deux concurrents sur la même chose, sur le même jeu. Et moi, les souvenirs quand même sont assez ouf à cette époque-là. Et surtout que moi, je suis très très fan en fait d'un truc tout con. C'est que côté SNK, je suis très fan du designer qui s'appelle Shinkiro. Voilà, Shinkiro. Et en fait, Shinkiro, le gars, il travaillait chez. Voilà, c'est le gars qui a fait ce genre de design, ce genre de pochette chez d'abord SNK. En fait, j'ai quasiment même pas parlé du jeu. Je vais parler de ça en fait. Et en fait, moi, j'étais fan de ça en fait. Les designs de SNK. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur ma chaîne Adam's Vibe, que en fait, j'ai mis en fait des artworks de ce mec-là, comme celui-ci. En fait, moi, j'étais ultra fan du boulot assez réaliste qu'il produisait en fait sur ses jaquettes. J'étais archi fan de ouf en fait. Et le fait qu'il puisse, et en fait, ce gars-là, il a été embauché par Capcom. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté. Et comme on peut le voir ici, par exemple. Notre ami, il est passé. Ah, c'est vrai que là, ils font. Hop, on se fout de ça. Là, c'est toutes les artworks qu'il a fait chez une partie chez SNK. Et là, en fait, on est passé aux artworks côté. Côté Capcom, et là en fait on voit qu'il a fait, voilà, on retrouve son design assez réaliste, que je kiffe, hein. Moi je kiffe ce design assez réaliste, je sais que d'autres personnes ça leur passe par-dessus la tête, mais moi j'ai toujours été sensible à ce design là, d'ailleurs j'ai des jeux Neo Geo, cartouches, je suis très sensible à ça en fait, et en fait voilà, il a refait, et on a eu l'honneur en fait de voir ce mec là refaire le design de personnes Capcom de l'époque. De Street Fighter, là on voit Chun-Li, on voit Chun-Li au fond, on voit Kami avec le design de Shinkiro, on voit là le jeu qui c'était un crossover entre un truc là de japonais avec Ryu, toujours Shinkiro, hein. Il avait aussi fait en fait des artworks pour Street Fighter 5, et c'est vraiment, j'adore le style de ce gars-là en fait. Et en fait moi ce que j'aimais beaucoup dans SNK vs Capcom, hein, c'est que en fait, on avait les deux. On avait la team. On avait les designs. Je vais mettre le 2 plutôt. On avait en fait. Voilà, ici là. Je sais pas si on aura la version. On aura une. Ah zut. J'aurais bien voulu une. Plutôt une. Je vais voir si je peux avoir un truc sympa. Voilà. Je vais essayer de agrandir ici. Voilà. On voit mal, hein. En fait, c'est ce qui était bien en fait avec Shinkiro, en fait avec le jeu. Moi, ce que j'avais kiffé sur le jeu, hein, c'est qu'en fait, il y avait aussi ce côté-là, c'est qu'en fait, on avait d'une part les dessins de Shinkiro qui étaient faits par, il avait redessiné les persos de Street Fighter à sa sauce, et de l'autre côté, l'équipe de Capcom, hein, ceux qui étaient en charge de dessiner les pochettes ou le chara-design ou autre artwork côté Street Fighter, ils s'occupaient des personnages de SNK. Voilà, moi c'est des petits détails comme ça que je kiffais en fait par rapport à ce jeu-là. Après, bien sûr, c'était le rêve de pouvoir voir Terry Bogard mettre des droites à Ryu, etc. Akuma versus machin. C'était quand même un crossover de malade, quoi. De voir le Mega Samurai Shadow ici s'est tapé contre moi, Andy ici. Enfin, Andy, ouais, je crois que c'est Andy lui. Voilà, il y avait quand même plein de Zangief versus le mec qui fait la boxe thaï. Ah putain. Là, sur le coup, j'ai oublié Kyo contre machin. Bref, c'était vraiment le rêve de voir en fait ce crossover en fait
enfin en place. J'ai jamais joué à fond. J'ai jamais joué à fond. Jamais. On n'a jamais cherché à pousser le jeu à, dans ses retranchements. Je ne sais pas à quoi ressemble ce jeu de manière compétitive. Parce qu'on est, en fait, on n'était pas, du tout assez mature. On n'était pas assez grand pour y penser. Et même la mode à l'époque, on n'en parlait même pas de ça. On ne savait même pas qu'il y avait des tournois de jeux vidéo et autres. Donc c'était pas du tout l'idée. C'est qu'on jouait de manière assez casu, même ultra casu. On s'amusait juste à se battre un peu. On savait faire les techniques, etc. Bon, comme tout le monde, je savais faire les techniques. Mais voilà, je poussais pas plus que ça en fait. Je trouve qu'il y avait un mode solo. Mais la plupart du temps, je jouais en fait avec des potes. Et ça s'arrêtait là en fait. Et des fois, quand tu tombais sur vraiment un pote très très fort, ben là, tu te rendais compte qu'il y avait vraiment un gap par rapport au jeu. Mais voilà, ça restait très casu en fait. Hein. Mais encore une fois, moi, l'expérience que j'ai de ce jeu, c'est pas le jeu en lui-même. C'est des détails à la con qui vont passer au-dessus de tout le monde. Je crois que dans ce jeu, il y avait aussi un mode où on pouvait en fait faire ses propres costumes. On pouvait peindre les persos, je crois. Hein. Et je crois que je confonds peut-être. Hein. Mais il y avait moyen de mettre. Non, c'est peut-être pas celui-là. Il y avait peut-être moyen de mettre Mei quasiment à poil. Pour ceux qui connaissent un peu SNK, ils peuvent taper Mei. Je vais pas taper, voilà, bref. Et en fait, avec l'éditeur de dessin, on pouvait en fait la mettre quasiment à poil et les mecs disaient, voilà, on était comme des oufs. Juste pour ça. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Mais voilà, moi le détail principal que j'ai de ce jeu-là, outre le sans-jeu, le jeu, etc., etc., c'était vraiment le fait que déjà, la claque, c'était d'avoir le crossover de malade. Jamais espéré, jamais j'aurais pu voir les deux familles sur le même jeu. Et d'autre part, il y avait un parti pris artistique qui se jouait là direct, c'est que d'une part t'avais Shinkiro qui s'occupait des je le répète hein, mais il y avait Shinkiro qui s'occupait du design des persos de SNK, et de l'autre côté t'avais je sais pas qui random man, random Capcom guy qui s'occupait en fait des illustrations des gars de SNK. Donc du coup on avait après je pourrais pas retrouver les illustrations facilement. Mais on avait vraiment un détail de ouf. Là, la boîte, elle est juste fantastique. Que ce soit sur Xbox ou sur GameCube ou sur d'autres consoles, la boîte était quand même folle. Avec là, en fait, ce qui était cool, c'était qu'on avait quand même du Shinkiro, quoi, en boîte, quoi. Putain, c'était vraiment incroyable, quoi. Alors, je vais essayer de trouver. Voilà, par exemple, là. Ah, il y a un très très beau artwork, là. C'est même pas le jeu qui est intéressant. Je suis désolé hein, pour ceux qui pensaient que j'allais parler du jeu, que j'allais faire l'historien, pas du tout. Regardez, il y avait là on le voit en plus grand. On a d'une part les... Ah mais attendez, c'était le gars qui faisait les artworks pour Street Fighter Source Strike. Je reconnais un peu sa patte là comme ça. Et d'autre part, on avait Shinkiro qui s'occupait de SNK. Et après, au moment de la sortie du jeu, ils ont inversé, c'est qu'ils ont mis c'était vraiment, en fait, ça c'est, je pense que les connaisseurs ont dû apprécier en fait ce genre de conneries quoi. Et moi, j'ai été bluffé par ça parce que je kiffe le design de Shinkiro. Parce que voilà, j'ai même sur mon téléphone, j'ai Shinkiro. J'avais pendant longtemps, j'avais une pochette Shinkiro qui apparaissait sur le téléphone. J'adore en fait. J'adore. Après, bon, je suis sensible aussi à d'autres artworks côté Capcom. Mais pour le coup, le gars qui me rend fou à chaque fois quand il fait des illustrations, c'est Shinkiro. J'adore son parti pris réaliste. Et je trouve que les persos ont une classe incroyable. Et c'est vraiment dommage, parce que là je vais faire un tunnel comme d'habitude, que on retrouve pas ça sur les persos de King of Fighter King of Fighter 15, le dernier King of Fighter qui est sorti, où les persos ont en fait son OZEF, la modélisation. Je sais d'où ils partent hein, les gars de King of Fighter, et en fait la modélisation des persos est vraiment OZEF tiers, on s'en bat les couilles, il y a pas de, c'est moche quoi en fait, hein. C'est vraiment, et c'est très très lisse, en fait c'est trop lisse, c'est en 3D certes, c'est joli, enfin c'est joli, c'est joli, ça agresse pas l'œil, hein. Mais il y a pas de profondeur, il y a pas de, c'est pas stylé, c'est beaucoup trop lisse, il y a pas de relief, regardez la tête là, c'est beaucoup trop lisse, c'est vraiment dommage pour KOF 15. Je sais qu'après quand on fait l'historien, je sais que l'équipe de King of Fighters n'a pas bougé depuis des décennies,
Et du coup, les mecs, ils avaient un retard technologique de malade. Et ils ont commencé à le rattraper avec KOF 14, qui était moche, mais ils ont fait des mises à jour pour essayer de s'y mettre à niveau. Mais le jeu était bon. KOF 15, qui est très très bien en fait, en termes de gameplay, en termes de jeu, en termes de KOF, c'est un très bon KOF. Mais en termes de visuel, c'est moche. Parce que regardez, si je vous prends un jeu comme. Bon, moi, je rêvais que les gars de Guilty Gear. Mais ça va jamais arriver, bien sûr. Les gars de Guilty Gear, par exemple. On prend Guilty Gear. C'est l'image du jeu, ça. Ça, c'est les images du jeu. Hein. Je vais mettre des vidéos, peut-être finish. Je sais pas écrire. Je vais faire un tunnel. J'aime bien faire ce genre de tunnel pour vous montrer un peu ce que, de quoi je pense. Tac. C'est quoi la Fury Je vais essayer de trouver un truc simple. Ouais, je vais prendre ça au hasard. Je vais pas chuter de son. Voilà. Là en fait on voit en fait. Putain. On va essayer d'enlever ce truc là. Mais regardez le design. Regardez le design des persos. Regardez les. C'est juste magnifique, hein. Et en fait, il y a du relief, il y a des ombres, il y a des choses, c'est habillé, c'est vraiment très classe. Ces personnes-là, en fait, qui ont fait ce jeu-là, se sont aussi occupées de Dragon Ball FighterZ. Et si on met, je vais basculer sur Dragon Ball FighterZ par exemple, c'est la même signature. Hein. Si on passe sur Dragon Ball FighterZ par exemple, vous allez voir tout de suite la patte incroyable. Ouais, bon, on va prendre pour les vœux par exemple, c'est pas grave. On va avoir des joueurs en plus, on va avoir des joueurs pro. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais même aller plus loin. Je vais prendre, je sais pas s'ils vont me laisser. Voilà, on va laisser les mecs se mettre bien tranquillement. Ils se chargent, etc. Deux joueurs très connus en plus. Hein. Voilà. Regardez-moi le design que ça a en fait. Vous voyez là? La modélisation. Il y a des ombres. C'est stylé. C'est très très bien animé. C'est très très fidèle. Parce que les gars, ils étaient ultra fans. Sont ultra fans de Dragon Ball. Hein. D'ailleurs même, hein, on voit la gênance de Vegeta en fait en faisant la fusion. Mais regardez, la modélisation est juste fantastique. Voilà, c'est comme stylé quoi. Mais là, pour l'instant, KOF n'a pas réussi à faire ce chemin. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai de ce jeu, c'est vraiment le rêve d'avoir la réunion des deux et des petits détails hein, qui m'ont choqué. Mais je serais incapable de vous parler exactement du moteur du système de combat, etc., etc. Parce qu'en fait, finalement, j'ai joué de manière très très casu, très très casu. Mais voilà, c'était tout pour cette expérience pour ce jeu-là. On va passer au second jeu tranquillement. Alors, je vais vous remettre la liste des jeux que j'ai actuellement. Alors, j'ai sélectionné Zelda Breath of the Wild, Lumines, GTA V, FF13. J'ai mis Fatal Fury Rare Bot. Je vais enlever KOF vs SNK. J'ai mis Uncharted 2. Quand même, pour moi, qui a marqué son temps, je sais pas s'il va être sélectionné ce soir, mais il va être sélectionné ce soir. Mais il avait marqué son temps. Soul Calibur, un jeu qui s'appelle Heart of Darkness. Voilà, bon, je pourrais toujours en parler. On verra s'il tombe dessus. Elden Ring, dont je n'avais pas parlé la dernière fois lors de la dernière séance, mais je pourrais peut-être en parler la prochaine fois. Spider-Man PS4. Voilà, c'est les jeux que j'ai sélectionné. On verra le prochain. Let's go. Encore 3. Et après, la séance sera terminée. Mais voilà, c'est un petit format pour aujourd'hui parce que je suis tout seul. Il n'y aura pas de troll. Il n'y aura pas d'envolée lyrique. Il n'y aura pas de tacle à la gorge en disant que tu as des goûts claqués au sol. Ça va être moi qui va faire un tunnel. Donc, supportez. Accrochez-vous. C'est parti. C'était KOF versus SNK. C'était très sympa.
C'est parti pour le prochain jeu. Let's go. Alors, FF13. Alors, FF13, je l'ai d'ailleurs ici. Je vais le chercher. Parce que il est jamais. Je l'ai encore sur PS3. Alors, FF13, magnifique. Je l'ai version. Ah, et là, voilà, version PS3. Acheté Day One avec Rosat, pour ceux qui le connaissent. Avec Rosat, acheté avec Rosat Day One. On avait fait. En fait, je vais expliquer dès le début le contexte du jeu. Ce FF13, je l'aime beaucoup en fait. Parce qu'en fait, d'une part, parce que je kiffe l'héroïne là. Lightning. Alors, on va taper FF13 tout simplement. FF13. Simplement FF13 Lightning. Je vais essayer de tourner comme ça Lightning. Alors ce jeu c'était ouf. Quand il est sorti en fait, c'est pas forcément le meilleur FF, mais en fait moi l'expérience que j'en ai eu en fait était fantastique, parce qu'en fait le jeu il y avait un Renoir, on s'en bat les couilles. Mais je me rappelle en fait, ce dont je me rappelle de ce jeu, c'est quand on avait dormi, il y avait une queue de malade à la Fnac des Champs-Élysées sur Paris pour aller les récupérer. Il y avait une queue de malade, je me rappelle. Il y avait une queue extraordinaire, on était là. Il y avait vraiment une effervescence de malade sur les Champs-Élysées pour aller le chercher. Et je me rappelle qu'on avait fait la queue. Il y avait grave du monde, j'étais avec Rosat, j'étais avec plein de potes aussi, au dehors de Rosat, qui était là pour aller récupérer son jeu. Je sais plus si j'avais pris une version deluxe, je sais plus, ou une version simple, je me rappelle plus. En tout cas, moi j'ai ça. Je sais pas si j'ai une version spéciale de ce jeu. Mais voilà. Mais en tout cas, j'avais ce jeu là. Et l'attente en fait par rapport à ce jeu était quand même assez folle, parce qu'en fait le jeu était quand même, ils avaient sorti une démo qui était assez jolie. Et j'ai joué, j'avais kiffé, les persos sont quand même super sympas. Moi franchement, l'une de mes héroïnes, enfin l'une de mes protagonistes préférées dans l'univers de FF, on va dire que c'est Lightning. Je la trouve trop badass. Elle est forte, elle est carrée. Elle montre pas ses sentiments en fait. J'aime beaucoup ce genre de perso en fait. Et que ce soit un garçon ou une fille, j'aime beaucoup ce genre de perso fort, solide, etc. Et j'avais kiffé le jeu de bout en bout. J'avais vraiment kiffé ce jeu quoi. J'ai passé quand même pas mal d'heures. J'ai pris beaucoup de temps pour le finir par contre. Parce que en fait, bon voilà, je joue à plein de gens en même temps. Ça n'a pas changé. Je joue toujours à beaucoup de gens en même temps. Et du coup, je me rappelle que j'avais bien galéré sur ce jeu là. Et le format était vraiment sympa. C'était vraiment sympa en fait. Les persos étaient pas mal. Et je me rappelle qu'il y avait eu. Il y avait une polémique. Enfin, pas une polémique, mais il y avait le Renoir dans le jeu. Et en fait, le Renoir, il avait un rôle qui était quand même assez ok quoi. Franchement. Je vais voir si je peux mettre le... Ah ouais. On va mettre le. Voilà. L'univers était cool hein. Après, ce que je pouvais reprocher au jeu, c'est vrai, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, on était sorti d'un FF12 qui était un peu en open world on va dire, qui avait des espaces assez ouverts dans le jeu. Et en fait on a été après rebasculé sur un FF13 qui avait en fait mis une progression assez en couloir, c'est à dire qu'en fait il suffit d'aller tout droit grosso modo pour le truc. Mais sa grande force, en fait, les deux avantages de ça, c'est que tu fais avancer le scénario assez rapidement. Mais les désavantages, c'est qu'en termes d'immersion, t'as pas le côté open world, le côté ouais, je vais me balader, je vais faire des trucs, etc. T'avais vraiment le côté, il y a l'histoire, tu dois aller comme ça et il n'y a pas d'autre choix. Donc c'était vraiment deux choses à faire, il y avait deux choses à vivre dans ce jeu. Et franchement, l'univers, les musiques,
L'histoire est un peu compliquée en fait. Retenir les LC, machin, ils avaient mis des noms toujours compliqués. Jusqu'à maintenant, je comprends rien du tout au fait aux différents noms qui avaient été donnés en fait aux ennemis ou même aux différents protagonistes. Mais en fait, le jeu était quand même, malgré tout, en fait, le jeu arrivait à un certain moment, je crois que c'était pendant 10 heures, 20 heures, tu avais une espèce de couloir où tu faisais toujours la même chose. Enfin, même chose. C'était un couloir où tu étais vraiment bien guidé. Et arrivé à un certain moment, tu avais des espaces un peu plus ouverts. Mais malgré tout, en fait, l'expérience globale que j'en ai reste fantastique. C'est-à-dire que le jeu, l'histoire. En fait, tu t'attaches au perso. Voilà, les derniers ressorts. Tu t'attaches au perso, tu t'attaches en fait aux différents. À l'univers, tu t'attaches un peu au délire, etc. C'était vraiment pas mal. C'est pas mon FF préféré. Mais je trouvais que le système de combat était dynamique. Et en fait, malgré tout, par rapport au contexte de l'époque, c'était quand même le FF qui sortait sur la PS3, quoi. C'était le gros FF qui sortait sur la PS3. Je me rappelle de la queue. Il y avait même Julien Chiez, je me rappelle, qui faisait la présentation sur le. Qui faisait le. La présentation sur les Champs-Élysées, qui faisait le. Bah, qui faisait le. Il travaillait pour Square Enix et du coup il faisait la présentation de la sortie du jeu, quoi. Il disait, ouais, voilà, le jeu va sortir, blablabla. Il était devant là, en entrée de la Fnac. Il y avait comme une. Pour les gros jeux, il y avait toujours une room, il y avait toujours une Zumba où tout le monde allait sur les Champs-Élysées pour aller récupérer son jeu. Ça l'est plus trop maintenant, je pense. Enfin, après, ça dépend des jeux, encore une fois. Mais FF13, vraiment, c'était vraiment sympa. J'ai pas d'autres choses à dire. J'ai pas d'autres choses à dire sur ce jeu, si ce n'est que. Si vous avez l'occasion de le faire sur PC, parce que là sur console il est pas disponible. Hein. À part si vous avez une PS3, vous n'avez pas la possibilité de le choper. Peut-être sur Xbox, si vous avez une Xbox Series, vous pouvez peut-être il est peut-être rétro-compatible. Mais sinon, à part ça, sur PC il est disponible. Et franchement, c'est un putain d'FF à faire et à découvrir pour ceux qui l'ont jamais fait, parce que franchement, il vaut le coup quand même. Hein. Je vais pas aussi parler des suites qui avaient été faites FF Returns et machin là, parce que je les ai pas fait malheureusement. Je les ai achetés, mais j'ai jamais lancé ce jeu-là. Et ça me semblait pas ouf. Mais franchement, FF13, que de bons souvenirs. C'était à l'époque où en fait, voilà quoi, le Blu-ray devait montrer, on devait voir la capacité, on va dire, des cinématiques en HD. Enfin, on devait voir la puissance du Blu-ray en fait en question. Du coup, pour ceux qui avaient une télé Full HD, en fait, ils étaient soufflés parce que pouvaient afficher le jeu en cinématique et même en jeu. Hein. D'ailleurs, j'ai rejoué en fait au jeu sur mon écran Panasonic OLED sans Android TV et le jeu rend toujours bien en fait. Hein. Malgré tout, le jeu je rends super bien quoi. Donc, honnêtement, à faire. Bien sûr, si vous avez une télé comme moi, une télé 4K OLED Panasonic sans écran, sans Android TV, c'est encore mieux. Vous pouvez encore plus kiffer. Donc n'hésitez pas. Franchement, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Et puis voilà. Là, c'est ça qu'on, là, c'est là qu'on manque un peu de gens qui pour venir t'attaquer en disant ouais, mais c'est de la merde. Ouais, le jeu, c'était un couloir, blablabla. Je sais, je sais, je sais, les amis, je sais. Mais quand même, que de bons souvenirs sur ce jeu. J'ai pas sélectionné au hasard quand même. Le jeu, quand même, avait quand même une certaine odeur en fait. Et ça rappelait une époque où on faisait encore la queue pour aller chercher nos jeux en fait. Ça, c'était beau quoi. Bah, quoique les gens qui ont fait aussi la queue pour aller chercher une PS5 quand elle est sortie. Donc, où ils sont allés. Ouais, ils ont fait la queue pour. Je crois que c'était pendant le confinement, je crois, non? Je sais même plus quand elle est sortie la PS5, soit il y a 2 ans, je crois, mais c'était un peu chaud. Bon, bah c'était tout pour FF13. On va passer au jeu suivant. Ça passe très vite en fait, hein. On va passer au jeu suivant. Allez, c'est parti, jeu suivant. Ah, j'ai pas retiré FF13. GTA 5. Alors là, en fait, on parle un mastodonte, je trouve. Je vais pas faire le mec qui va encore vous faire l'historien de GTA 5. Mais GTA 5, quand même.
GTA 5 quand même, c'est. Je vais voir si je peux trouver une intro de ce jeu-là. Oh, on pourrait peut-être faire le trailer, non? Ouais, Flow Pony, ouais, par contre. Voilà. GTA 5 quand même. C'est quand même. Je trouve qu'en fait, GTA 4, elle est. En fait, pour vous dire les trucs, c'est que. Je trouve que l'équipe de Rockstar qui s'occupe de ce jeu, ce sont vraiment des. Ils ont des génies en termes de. D'informatique en fait. Ils sont en termes de programmation, en termes de degré, de détails sur leur open world, ils sont vraiment très très forts. Parce qu'en fait, GTA 5 jusqu'à maintenant, ça reste ultra bon en fait. Ils ont refait des versions pour la PS5 avec des graphismes améliorés, avec l'utilisation du SSD, etc. La 4K, un peu de ray tracing. Enfin, ils ont fait une version PS5 un peu voilà, un peu remaniée qui est cool. Mais en fait, même la version PS3 de l'époque était déjà fantastique. Je crois que c'est la version PS3 en plus, vu comment c'est flouté là. En fait, je vais juste revenir un peu en arrière par rapport à ce jeu-là. Déjà, moi, j'avais été soufflé, par exemple, par ce qui avait été fait avec GTA San Andreas sur PS2. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce jeu-là, là, je vais faire un peu mon historien. Mais techniquement, le jeu, c'était une claque. Puisqu'en fait, ils avaient utilisé toute la carte de San Andreas était en fait continuellement en train d'être streamée dans la PS2. Et du coup, il n'y avait pas de chargement dans les zones. Vous savez que dans GTA 3, GTA Vice City, il y avait des temps de chargement, il y avait des zones qui, où voilà, ils avaient fait le choix de charger, de découper en zones le jeu, et du coup il y avait temps de chargement. Dans GTA San Andreas, sur PS2 on parle, hein, sur PS2, 4 émo de mémoire vive. Mais bon, par contre, vous avez un bus vidéo, hein, non, c'est pas un bus vidéo, c'est un bus de data qui était énorme sur PS2. C'est ce qui faisait qu'ils ont profité de cela pour faire en fait un jeu qui continuellement streamait les données. Et du coup, en fait, GTA San Andreas c'était une carte sans aucun temps de chargement, dont les éléments chargés continuellement. C'était vraiment une prouesse technique. En plus, on pouvait rentrer dans les habitations. Ils ont fait des trucs de ouf. Déjà là, j'étais déjà KO. On passe à GTA 4. GTA 4 sur PS3, ils avaient en fait, il y avait déjà un degré en fait de un souci du détail qui était déjà au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé en fait, si vous avez joué à GTA 4 sur PS3, vous avez été essoufflé à mon avis par le niveau de détail, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des fois tu regardais la télé, t'avais un show qui passait, ils avaient programmé je sais pas combien de trucs dans le jeu, mais c'était juste hallucinant dans le jeu, quoi. Et en plus de ça, il y avait un moteur. Ils avaient mis en place un nouveau moteur de physique qui faisait que sur les comportements des voitures ou même le comportement du perso, il était en fait un peu en mode. Comment dire, il se comportait. Il avait une attitude plutôt réaliste par rapport en fait au décor. Voilà, ils avaient en fait mis un niveau au-dessus en fait en termes d'immersion et même en termes de moteur de jeu, en termes de moteur même physique sur les persos, c'était juste un truc de ouf. Là maintenant je reviens à celui-là, mais là en fait avant d'arriver à celui-là on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec GTA 5 quand même. En fait on est quand même sur la PS3 encore. On est encore sur PS3 et en fait on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur GTA 5. GTA 5 est sur PS3 les gars quand même à la base, hein. Sur PS3, hein. On me trompe pas, hein. PS3, GTA 5 à la base. On se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur GTA 5. Parce que GTA 4 était déjà ouf. Là ils arrivent avec GTA 3 sur PS3 et en fait déjà ils introduisent pas un mais trois persos. Vous voyez, hein, les différents persos là. Et le truc de ouf, c'est qu'en fait on pouvait en fait, je vais pas vous raconter le jeu, mais vous pouvez changer en fait simplement vous pouvez passer d'un perso à l'autre. À un moment donné, vous pouvez passer d'un perso à l'autre. C'est-à-dire que, en plus, et ce qui est ouf à chaque fois, c'est que le perso fait un truc. Quand vous passez sur le mec, il sort de sa voiture, il fait un truc. Il y a un souci du détail qui est juste hallucinant, quoi. C'est hallucinant. C'est-à-dire que pour vous mettre en perspective ce que fait ce jeu-là, ce que fait actuellement GTA V. Même un Cyberpunk qui est sorti là récemment, il y a 2 ans, Cyberpunk 2077 là, qui est sorti récemment,
Le Cyberpunk de 2077, à part les effets un peu à la mode, là, le ray tracing ou d'autres trucs qu'ils ont mis en place comme ça à l'arrache là, pour essayer de sauver les meubles, ce jeu-là, en termes de finition, est 5 étages en dessous de GTA V. En termes de détails, c'est un truc de malade, hein. Il faut bien comprendre. C'est que ce jeu-là, en termes de détails, c'est un truc de ouf, hein. Et je me rappelle que moi, j'avais été juste estomaqué. Rien que le début du jeu était ouf. Quand il y a un moment dans le jeu, là c'est vraiment le début. Et en fait, voilà, on arrive ici. J'ai l'habitude de la pub. Alors, il y avait un. Le jeu était vraiment. Quand on arrive à ce moment-là où le gars il se fait chier. Ancien truand qui s'est arrangé, etc. Il essaie de remettre du piment dans sa vie, etc. Le jeu, franchement, propose une. C'est hallucinant. Le jeu propose une finition à tous les niveaux incroyable. Est-ce que vous avez essayé de regarder des fois les émissions qui étaient à la télévision dans ce jeu? Déjà, dans GTA 4, c'était pas mal. Dans celui-ci, mais c'est des émissions complètes où des fois tu regardes le truc, il y a des émissions complètes quoi. En plus, avec des paroles, mais c'est juste ouf le degré de. Il y a même un système de banque, il y a Internet, enfin c'est juste les à côté quoi. Et sans parler de l'histoire principale qui est vraiment très cool avec les trois gars là. Mais ce jeu est vraiment fantastique. Et c'était sur PS3 à la base. Bon, je pense que ce jeu a dépassé les deux. Ce jeu-là et jusqu'à maintenant se vend très très bien. C'est ça qui est hallucinant parce que le GTA Online et le fait que d'autres personnes transforment le jeu en GTA RP fait que le jeu se vend encore très très bien. Et du coup, le GTA 6 n'est pas près d'arriver pour moi. Franchement, ils en parlent, mais GTA 5 fait en termes de revenus est tellement immense que je ne sais pas pourquoi ils lanceraient en fait GTA 6. Mais pour moi, c'était une claque. Hein. Quand ce jeu est sorti sur PS3, c'était juste un truc de ouf. Après, la version que j'ai bien kiffée, bien sûr, c'est la version PS4, qui était en HD, qui était en Full HD, qui était un peu plus jolie, etc. La version PS5 est très très bien aussi. Mais en termes de. Franchement, c'est vraiment une claque. Hein. C'est les environnements. Et même, il y avait des détails où, en fait, quand tu te baladais avec Trevor, pas avec Trevor, que le Renoir, dans certains quartiers, t'avais en fait des scripts qui faisaient que certains mecs appelaient les flics. Parce qu'il y avait un Renoir qui se baladait dans des quartiers, ils avaient même mis une petite touche un peu de, voilà, je dirais pas de réalisme, mais de contexte américain dans ce jeu-là. Je te parle même pas des différents moyens de locomotion, des PNJ, de l'ambiance globale. Franchement, il y avait un jeu qui était pas mal à ce niveau-là. C'était Watch Dog, le premier. Il était pas mal. Si je réfléchis en fait à un open world de ce type-là. Watch Dog est vraiment pas mal à ce niveau-là. Mais encore une fois, hein, si on veut le comparer, moi je le compare. J'ai même pas besoin de parler Red Dead Redemption en deux, hein, par rapport à Cyberpunk, parce que GTA V est un, techniquement, en termes de souci des détails, en termes de moteur physique, en termes de tout. GTA V simplement, même je vais troller, hein, je prends la GTA V PS3 est un Cyberpunk 2022, 2020, là. Pour te dire. À quel niveau se situe GTA V, qui est d'un niveau incroyable. C'est vraiment incroyable. Les persos, je me rappelle que j'avais du mal à comprendre ce que disaient ces deux cons là, au début de leur mission. C'était un truc de ouf. Parce qu'ils parlaient avec beaucoup de slang, de l'argot en fait américain. Du coup, c'était impossible de les comprendre. Du coup, je mettais les sous-titres, même mettant les sous-titres en anglais. C'était un peu difficile, mais bon. Mais c'était vraiment. C'est fantastique quoi. Ce jeu-là, jusqu'à maintenant, je ne peux que le conseiller aux gens. Parce que franchement, le niveau de détail de ce jeu, le niveau de détail où ils sont, franchement, je sais pas ce qu'ils pourraient faire de plus avec GTA. Enfin, je dis ça, mais en fait, on s'est toujours dit ça en fait par rapport aux autres GTA. Mais ce GTA-là, franchement, même en 2023, il vaut le coup d'être vécu, il vaut le coup d'être testé pour ceux qui l'ont jamais fait. Si vous avez une PS5, prenez-le sur PS5. Franchement, le jeu, ça reste un must-have. Ça fait 10 ans qu'il est sorti le jeu, mais ça reste un jeu qui n'a rien. Si vous avez le choix entre Cyberpunk et GTA V et que vous voulez pas forcément. Enfin, vous n'avez pas de souci à. Si l'univers des deux vous plaît, hein, bien sûr, si les deux univers vous plaît, prenez GTA V. GTA V est un Cyberpunk. Moi, je m'en fous. Je parle Cyberpunk parce que c'est souvent le jeu qui est mis,
qui a été mis en fait en avant dans tous les magazines, sur internet, etc. Mais c'est pas un bon jeu en soi, en fait. Hein. C'est un jeu raté qui a été fait à l'arrache, enfin, dont sa sortie a été bousculée à l'arrache. Un projet qui a été rushé et qui a été. Dont la livraison ne. Enfin, dont l'état de livraison est à, peut-être à 10% de ce qu'ils avaient eux évoqué dans leur conférence. Donc, du coup, en fait, après, on a un jeu, si tu connais pas. Si tu sais pas ce qu'avait promis en fait ou ce qu'avait déclaré affirmé les gars de CD Projekt pour ce jeu-là, bah en fait c'est un bon jeu, c'est un bon jeu sympa. Mais même malgré tout, quand tu mets face à GTA V, t'as jamais fait GTA V, GTA V l'éteint. J'ose même pas parler de Red Dead Redemption qui est sorti en 2018, qui vient éteindre tout le monde dans le game là, en termes d'immersion, en termes de détails, en termes de machin. Red Dead sont partis, ils sont vraiment au-dessus de tous. Voilà. Il y a Watch Dogs qui est pas mal. Le premier Watch Dogs est vraiment pas mal. Hein. Je trouve, moi, personnellement, je trouve que Watch Dogs est vraiment pas mal dans le game. Mais encore une fois, les gars, GTA V, c'est juste un truc de ouf. Hein. Les détails sont juste ouf. Le moteur physique est malade. L'histoire des persos, les persos ont vraiment du volume. Ils ont vraiment du. Il y a, franchement, l'idée de passer entre les trois persos, c'est fantastique. Trevor, c'est sans doute le préféré de 90% des gens qui ont joué à GTA V parce qu'il est totalement dingue, etc. Franchement, les amis, si vous devez faire GTA V, faites-le. C'est un banger. Et puis voilà quoi. J'ai un terme de souvenir autour de ce jeu-là. J'ai pas souvenir d'avoir. Parce qu'à la base, moi, j'étais pas forcément un gros fan de GTA V, de GTA. J'aimais beaucoup GTA, mais j'étais pas forcément un gros fan. Et en fait, là, ce jeu-là, clairement, m'a fait découvrir que, waouh, attendez là, GTA 4, j'avais joué un peu, je l'avais acheté Day One, mais j'avais joué un peu, et du coup, j'avais été subjugué par le truc, mais je devais passer le BTS, je sais plus où je passais en... Ouais, je devais passer le BTS, j'ai fait l'école d'ingé après, 2 ans après, j'ai fait l'école d'ingé, mais GTA 5, quand j'ai vraiment pris le temps d'y jouer, etc., et que j'ai racheté sur chaque console, en plus je l'ai racheté sur PS3, PS4 et sur PS5 parce qu'il était à 15€ sur PS5. Pendant un moment il était à 15€. C'est un banger incroyable. Prenez-le force. En force, prenez-le. Franchement, si vous avez du temps, prenez-le. Le solo est vraiment extraordinaire. Par contre, il y a un élément qui fait que le jeu cartonne, bien sûr, c'est le mode en ligne. Mais je serais incapable de vous en parler parce que je l'ai survolé avec des amis. On avait fait quelques braquages, on avait fait quelques trucs. Mais on n'a pas pu se durer ça parce qu'en fait, le jeu pêche un peu par ce système de visée qui n'a pas bougé en fait. C'est là que le jeu pêche un peu dans ses gunfights. Le jeu n'a pas trop bougé depuis GTA 3. Donc du coup, en fait, on est un peu... c'est un peu vieillot quoi. On aurait espéré même sur Red Dead, on aurait espéré que le jeu adopte le système de, je sais pas, Uncharted par exemple. Bah non, en fait le jeu restait sur ses propres mécaniques, un peu dans un tunnel, comme s'ils étaient dans un tunnel. Ils ont sorti le jeu dans un tunnel et ils ont pas regardé ce que faisait la concurrence, ce qu'ils avaient mis en place la concurrence en termes de mécanique. Et du coup on est resté sur des gunfights assez mous, assez vieillots, et qui dénote par rapport en fait à ce que pouvait faire la concurrence à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà Uncharted à ce moment-là. Et malheureusement, le GTA en ligne, voilà, après je sais qu'il cartonne, je sais qu'il cartonne pour d'autres raisons que ça, mais nous à l'époque, quand on avait commencé à jouer, c'est parce qu'on sortait aussi de... On sortait de Destiny, qui avait un très très bon gameplay en termes de jeu en ligne, en jeu en ligne. Il y avait un très bon gameplay tout court en fait, en termes de mécanique, en termes de sensation de quand tu tires, etc. Il y avait vraiment un très très bon gameplay, un très très bon feeling avec les armes, etc. C'est vraiment un très très bon jeu à ce niveau-là. Par contre, GTA V pêche parce qu'en fait il est resté un peu avec les mêmes mécaniques que GTA 3 en ce qui concerne les gunfights. Donc du coup, ça fait un peu VO. Et d'ailleurs, même Red Dead 2, son point faible c'est aussi les gunfights. C'est ok, mais c'est quand même assez vieillot, c'est assez décevant par rapport en fait à ce que. Par rapport au standard, on va dire, entre guillemets, de même quand il est sorti et de ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Ça reste un peu en retrait, en fait, cette partie-là. Mais sinon, à part ça, cette affaire à refaire tout le temps, tous les jours. Ça fait 10 ans que ça dure. C'est incroyable, ce jeu est incroyable. Donc, franchement, je le conseille à tous. Donc, c'est voilà, ça va être bon pour... Je pense que j'ai assez parlé de ce jeu-là.
faites-le, c'est un truc de ouf. Et voilà, j'ai pas plus de contexte que ça, mais si ce n'est que c'est un monument, que ce soit en termes de ludique qu'on joue, et même quand on s'y penche techniquement, ça reste un monument du genre, parce que techniquement, les gars de Rockstar, ce sont des putains de boss, quoi, dans ce qu'ils font, hein. C'est vraiment des putains de boss, hein. Je connais pas beaucoup de jeux, je connais pas beaucoup d'entreprises qui arrivent à leur cheville quand ils font un open world. Il y a Nintendo qui a réussi à faire un truc de malade en termes d'intelligence sur un open world, avec Zelda Breath of the Wild, avec Xenoblade, etc. D'ailleurs, si Zelda et si Xenoblade, je pourrais en parler Zelda, parce que c'était un... voilà. Mais sinon, à part eux et peut-être d'autres, Elden Ring bien sûr, qui a repris le même truc, etc. Mais en termes d'immersion complète, GTA V reste le must sur le game. Et bien sûr, je ne parle pas de Red Dead Redemption 2 qui est encore au-dessus, quoi. Voilà. C'était tout pour GTA V. Next. Je vais l'enlever de la liste. J'avais parlé de FF13 aussi. Alors, c'est parti pour le prochain jeu. Je crois que c'est le quatrième jeu, peut-être. Quatrième jeu. Non, troisième jeu. Là, c'est le troisième jeu. J'ai fait SNK. FF13. Et voilà, c'est parti pour le quatrième jeu. Quatrième jeu, là, pour le coup. Ça va être assez sympathique. Allez, c'est parti. Ouh, ouh. Ah ouais, Spider-Man PS4. En fait, moi je parlais de ce jeu. Ce jeu est incroyable, hein. Enfin, ce qu'a fait l'équipe en charge de cette licence. Déjà, ils ont fait, je crois qu'ils ont fait la licence la plus vendue côté Sony, parce que cette licence appartient à Sony. Sony détient les droits de Spider-Man. Même, c'est pas Marvel, hein, parce que Marvel à l'époque, je crois qu'ils étaient un peu en faillite. Ils ont revendu des droits un peu à droite à gauche, et en fait, ils ont revendu Spider-Man à Sony, qui l'a gardé. Et du coup, là, des fois, par moment, Sony prête à Marvel Spider-Man. D'ailleurs, quand vous lancez le jeu là, vous regardez un film avec Spider-Man, vous voyez bien qu'il y a Sony en fait qui est derrière aussi. Il y a Marvel et aussi Sony qui apparaît, parce que Spider-Man appartient à Sony et ils sont pas prêts de les lâcher. Spider-Man, quand il est sorti sur PS4, moi je me rappelle, hein, franchement, personne, moi je l'attendais pas du tout, parce que je m'attendais à, en fait, franchement, d'expérience. Je m'attendais vraiment à un jeu à licence éclaté au sol, un jeu très très moyen, parce que souvent les jeux à licence sont assez moyens. Et finalement, alors PS4, on va prendre, hop, jeu complet, pourquoi pas. Je vais juste avancer là. Non, le jeu est vraiment fantastique. En fait, on s'attendait vraiment à rien dans ce jeu-là. Et finalement, on a eu un jeu. D'une part, en fait, c'est que ils ont travaillé les mécaniques de jeu. Enfin, la claque, c'était quoi? C'était que d'une part, en fait, c'est que dès que les trailers sont arrivés, on a fait attendez, ça a l'air pas mal ça. Et en fait, plus le jeu s'approchait, plus on a commencé à se dire attendez, ça sent vraiment très bon. Quand le jeu est sorti, en fait, on a été surpris par la qualité, tout simplement, et la fidélité et les bonnes idées qu'ils ont eues en fait autour de ce jeu. En fait, on a eu vraiment un jeu qui, en fait, dont les développeurs ont réfléchi véritablement à ce qu'ils voulaient proposer en termes de gameplay, en termes de mécaniques de jeu, en termes de plaisir à ce jeu. Et là, en fait, voilà, on se trouve en fait propulsé très rapidement dans le gameplay. Voilà, ici, voilà, ça commence à jouer. Et là, de suite, en fait, qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on y joue? On a en fait tout simplement déjà l'open world sur la ville, mais au-delà de cela, en fait, c'est en termes de mécanique,
on a vraiment l'impression de se bah de d'être Spider-Man, même avec la manette, on a vraiment l'impression, on a vraiment cette sensation bah de d'être Spider-Man quoi. En termes de mécanique, c'est qu'ils ont eu la très très ils ont eu des très très bonnes idées en fait sur ce jeu-là. Et en fait, c'était vraiment une grosse surprise, hein, franchement. C'est pas un truc que je m'attendais vraiment à un jeu très très moyen, voire éclaté au sol. Hein. Et finalement, la hype, ceux qui l'ont pris Day One se sont pas trompés. Et le jeu, en fait, est vraiment très très bon, en fait. Hein. D'ailleurs, ils ont sorti des versions améliorées sur PS5. Il est sorti sur PC, ce jeu. Pour ceux qui ont qu'un PC. Et l'histoire est vraiment sympa. Moi, ce qui m'avait choqué en fait, c'est que moi, je joue toujours en difficile dans les jeux, quasiment. À part les jeux japonais un peu compliqués. Moi, généralement, je joue en difficile à ces jeux-là. Et en fait, je me suis retrouvé en fait à jouer en fait à. Quand j'ai mis le mode difficile dans ce jeu-là, j'ai eu un sourire, puisqu'en fait, finalement, le jeu proposait vraiment une. Comment dire? Ce jeu proposait vraiment une belle difficulté pour ceux qui aiment. Pour ceux qui aiment la difficulté, mais ceux qui veulent être challengés, c'est-à-dire que en fait le système de combat de ce jeu-là est assez intelligent, puisqu'en fait il va reprendre les sens de l'araignée, et en fait il est très dynamique, parce qu'en fait on pouvait récupérer des objets assez facilement de manière contextuelle dans le jeu, etc. Et non, non, franchement, le jeu est vraiment une vraie claque. Hein. L'immersion dans la ville est fantastique, l'histoire est vraiment bien. Les persos sont super, Spider-Man est vraiment très bien respecté. Et non, franchement, c'était vraiment une tuerie, hein. Très très bon souvenir de ce jeu. C'est un jeu que je conseille aussi à faire et à refaire. Là, en fait, on finit. Là, j'ai l'impression de faire du téléachat. Et c'est un jeu vraiment qui m'avait choqué, puisque tout était bon à prendre, en fait, hein. Les boss étaient très sympas, le système de combat était très bon, les différents persos sont ok. Bon, il y avait quelques phases qui étaient assez bidons, comme des phases où on est avec Mary-Jane, je crois, en train de faire de l'exploration, là, enfin de l'exploration, qu'on appelle ça là, un peu comme l'infiltration, qui était assez claqué au sol. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est quand même un jeu qui a posé des bases, qui ont posé des bases incroyables pour ce jeu, pour les suites, quoi. Ils ont fait un Miles Morales qui était vraiment très très bon, plus court, mais très très bon. Le prochain qui arrive bientôt, là, il semble être ouf. En plus, il est uniquement sur PS5, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, en fait, on va avoir une expérience complète uniquement pensée pour la PS5. Ah, là, ça va être juste fantastique. Mais encore une fois, le jeu jusqu'à maintenant, en fait, il est sorti il y a quelques années. Il est sorti en 2018, je crois, 2017-2018. Il reste, ou 2019, je ne sais plus. Ce jeu reste, en fait, totalement OK, totalement excellent pour ceux qui veulent faire le jeu. Et surtout qu'en fait, pour ceux qui aiment bien Spider-Man. Franchement, il remplit son contrat de ouf. Hein. Honnêtement, faites-le. Très très bon. Très bon souvenir. Un système de combat vraiment ok. L'open world est vraiment bien, bien refait. Non, j'ai rien à dire de plus que franchement, faites-le quoi. En fait, il y a toujours des phases en fait, où je suis un peu sceptique. C'est toujours quand il y a des phases d'infiltration. Je trouve que les mecs font pas des bons choix en fait en termes d'infiltration des fois. Je trouve qu'il devrait revenir à des trucs beaucoup plus simples, mais qui permettraient en fait un peu plus de plaisir en fait. Parce que des fois c'est pété. Ils essaient de faire un peu réaliste, mais en fait on n'a aucune. C'est vraiment pas bien fait en fait. Il devrait peut-être revenir à un truc un peu à la Metal Gear. Quand je le dis en fait, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Je vais prendre Metal Gear Solid 1 par exemple. Voilà, je vais prendre Metal Gear Solid 1 et je vais vous montrer ce dont je veux parler. Je vais mettre en grand plan. C'est moi, je suis un Metal Gear, ça date de longtemps, 98, je crois. Voilà, vous avez vu là? Dans la map là? L'équipe de Konami avait fait le choix pour essayer pour l'infiltration. Ils avaient fait le choix en fait, parce que en fait les persos aient cette vision et du coup on peut passer derrière, etc. quoi. C'est la première fois. Mais je trouve que ça, c'est très intelligent, puisqu'en fait, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment se faufiler. Et en fait, on n'est pas.
On n'est pas coincé parce qu'il y a certains jeux en fait qui essaient de proposer des systèmes d'infiltration où il n'y a pas de map, il n'y a pas de. On ne sait pas ce qu'ils regardent, il y a juste une jauge qui se remplit. Mais des fois, c'est pas bien fait, ou c'est pas, ou c'est pas profond, ou c'est pas, ou simplement, il n'y a pas vraiment de plaisir dans ce genre d'infiltration. On ne sait pas comment vraiment jouer avec le système, avec les mécaniques. Du coup, en fait, on n'a pas vraiment de plaisir, quoi. Alors que dans Metal Gear 1, il y avait ce plaisir-là, on peut véritablement faire des perfs en termes d'infiltration et aller d'une zone à l'autre sans se faire cramer, mais parce qu'on a cramé le, on a compris le pattern, donc on peut faire une sorte de speedrun pour aller se faufiler et finir très rapidement les zones. Et en fait, je me rappelle que Metal Gear 5, en infiltration par exemple, Metal Gear 5 en infiltration, c'est juste un must-have. Le Metal Gear 5 en termes d'infiltration est un vraiment un est un must-have en termes de c'est vraiment le sans doute l'un des en termes de level design, en termes de gameplay, en termes de proposition de jeu, c'est sans doute l'un des jeux les plus intelligents, les mieux faits en termes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en véritablement il y a un vrai il y a, en fait le jeu on peut le finir de différentes manières. Mais aussi le jeu récompense le fait de le finir en fait en full infiltration. Et là en fait on a et là le jeu en fait propose tout simplement tout un tas de mécaniques pas forcément réalistes, mais tout un tas de règles de jeu qui permet en fait finalement d'avoir une certaine profondeur. C'est-à-dire que même quand l'ennemi te crame, il y a des fois un temps de ralentissement. Des fois quand il t'a cramé, il y a un temps de ralentissement et du coup tu peux l'éteindre toi. Là, t'as vu? Il y a différents trucs qui permettent vraiment. Et là, c'est là que le jeu est vraiment très très cool. C'est là que le jeu a vraiment, vraiment de la profondeur. Je me rappelle que pour la démo de ce jeu-là, ils avaient sorti une démo. Il y avait un mec qui avait fait un speedrun incroyable. C'est qu'en fait, au moment où il se faisait cramer, il y avait le monde ralenti. Bah, chaque fois, il mettait des headshots. Mais en les faisant dormir, paf, paf, headshot. Il avançait comme ça. Et c'était un truc de ouf. Quand tu le. Là, tu voyais que le mec, il avait joué avec les règles du jeu. Et il te montrait la profondeur des mécaniques qui avaient été mis par Capcom pour ce jeu. Par Konami, par Kojima, la Kojima Prod pour ce jeu. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et des fois, il y a certains jeux comme Spider-Man, comme Assassin's Creed ou d'autres jeux comme ça. Ils oublient un peu ça en fait. Ils oublient des trucs. Ils oublient un peu ça. C'est dommage. Voilà. Mais si on revient à Spider-Man, c'est un jeu bien sûr à refaire. À faire que des bons souvenirs sur ce jeu. Je vais revenir à Spider-Man. Honnêtement, le système de combat est vraiment nickel. C'est pas le meilleur système de combat, bien sûr, mais il est assez intelligent pour te donner d'une part un peu de profondeur. Tu peux esquiver, et en fait, c'est ce qu'on demande parce que finalement, en fait, on se bat beaucoup dans le jeu, et c'est quand même ballot d'avoir des jeux qui se jouent un peu de manière automatique dans ce domaine-là. Alors que là, le jeu te propose un peu, pour ceux qui jouent un peu difficile, au moins difficile. Le jeu te propose un peu de challenge et du coup tu dois faire attention à ce que repère Spider-Man, du coup tu dois esquiver, etc. Donc il y a du plaisir. En plus, tu peux récupérer les éléments à droite à gauche pour essayer de les balancer, etc. Il y a des combinaisons, c'est très très sympa à jouer et je crois que tu peux débloquer les persos, tu peux débloquer des pouvoirs, etc. Donc c'est vraiment un jeu à faire. Et à ce niveau-là, franchement, je ne peux que le conseiller. Voilà, c'est tout pour Spider-Man. Je pense que je vais arrêter là pour Spider-Man. À faire, je répète encore une fois, à faire. Il y a le 2 qui arrive très très bientôt. Le 1 est fantastique. Miles Morales, je le conseille vraiment à tous. Pour ceux qui que t'aies un PC ou une PS5 ou une PS4, ça reste un très très bon jeu. À faire et à refaire. Très très bon souvenir. Et surtout l'un des jeux qui a finalement. L'une des licences qui a cartonné pour Sony aussi. Hein. Faut pas oublier que ça a été la licence. Je crois que c'est la licence qui a le plus cartonné chez Sony, quoi. C'est un truc de malade. Hein, Spider-Man a été un carton incroyable. Du coup, les mecs, ils ont eu tapis rouge. Les développeurs là de ce jeu-là, ils ont un tapis rouge incroyable. D'ailleurs, ils font plein de jeux. Hein. Ils ont fait Ratchet & Clank, je crois. Ils ont fait plein de jeux comme ça. Et là, ils délivrent Spider-Man. Ils ont Wolverine qui arrive bientôt. Je vous montre en avant-première. Attention, en avant-première, je vous montre Wolverine hein, qui arrive sur PS5. Attention. Attention. Ça fait je sais pas combien d'années, je crois que ça fait peut-être 1 ou 2 ans, je crois qu'il avait été annoncé. Insomniac sont vraiment fantastiques.
Bah, le jeu n'est pas prêt de sortir de toute façon parce que déjà ils s'occupent déjà de. Enfin, à mon avis, ils ont deux équipes. L'un qui s'occupe de Spider-Man qui était quand même, qui avait déjà des bonnes bases sur la. Ils partaient pas de rien avec Spider-Man. Avec les autres Spider-Man qu'ils ont fait. Et là, en fait, on a Wolverine qui arrive et le ton est donné en fait. Hein. On a vu, hein. Ça sent pas être. J'ose espérer que c'est de la 3D, j'ose espérer que tout ça c'est pas de la CGI. Et qu'on ait en fait eu une phase de ce que peut faire la PS5 en fait quand elle est totalement libérée de toute contrainte au niveau des autres plateformes et que le jeu soit pensé réellement pour la PS5 depuis le départ. J'espère que ça va être le cas pour Wolverine et j'espère qu'il va nous donner peut-être un autre ton. On aura d'une part en fait le ton un certain ton avec Spider-Man et une autre vision peut-être un peu plus violente avec avec Wolverine, quoi qu'il en soit, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et vu ce qu'ils ont fait avec Spider-Man, j'espère qu'ils vont faire un banger incroyable avec ce jeu, avec Wolverine. Voilà, en avant-première, Insomniac Games, des beaux gosses, ils ont fait Ratchet, qui est fantastique jusqu'à maintenant. Ratchet, j'aime bien parler parce que franchement. Il faut quand même le croire, je suis pas fan de ce que propose le jeu en termes de level design. Je trouve que c'est un peu léger, mais je l'ai pas fait celui-là. J'ai fait la version PS4. Je trouve que c'est trop simple. Ça me fait penser un peu au jeu Lego là. C'est trop tu dors quoi. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus de level design. Enfin, pour ce que j'ai vu moi, j'espère que celui-ci peut-être répond en fait à ma demande. Mais le jeu est c'est un jeu. Celui-ci est pensé pour la PS5 depuis le départ et ça reste l'un des plus beaux jeux de la PS5. C'est fantastique. Hein. Et en plus, vu qu'ils ont pu jouer avec le SSD, il y a ce délire de passer entre les différents mondes. Là, voilà. Voilà. Regardez. À ce niveau-là. Et en fait, une fois, hop, on passe d'un monde à l'autre. C'est un truc de malade, quoi. C'était l'une des puissances qui était évoquée parce qu'en fait, sur PS5, on tient sur un SSD NVMe qui a une bande de. C'est quasiment de la mémoire vive en fait. En termes de. On n'est pas loin de la DDR. Je crois qu'on n'est pas loin de la vitesse de, la vitesse de lecture d'un. De la DDR3, je crois. En termes de vitesse de lecture. Donc du coup, en fait, c'est de la RAM quoi. C'est comme ça, on a de la mémoire vive pour un jeu. Et du coup, la promesse future et à venir des jeux qui vont arriver bientôt, c'est qu'en fait, on va pouvoir quasiment charger des scènes. Le perso regarde une scène. On va pouvoir détruire l'ensemble de ce que tu vois pas, de ce que le jeu ne voit pas, et au moment où il va se retourner, l'ensemble de la scène va se construire en fait. On va pouvoir construire, c'est la promesse, hein, de pouvoir construire des scènes en fonction de ce que le joueur regarde. Mais ça va tellement vite, la vitesse de lecture est tellement rapide qu'en fait le joueur ce sera vraiment quasiment invisible pour le joueur. Là on le voit en fait, hein, le passage d'un niveau à l'autre, c'est juste incroyable, on l'a vu là. C'est juste ouf, hein. On passe d'un niveau à l'autre qui n'a rien à voir en termes de level design, qui n'a rien à voir en termes d'assets. Il n'y a rien qui et là en fait on passe à celui-là et là c'est et le jeu reste fantastique en termes de visuel. C'est vraiment un très très beau jeu. Il est sorti aussi sur PC. Je sais pas ce que vaut la version PC, mais enfin après ça va dépendre à mon avis de la configuration comme d'habitude, etc. Bon, quand t'achètes ton PC à 3 000 euros, je pense normalement ça devrait tourner. Normalement, voilà, Ratchet & Clank, c'est fait par les gars qui ont fait Spider-Man, qui vont faire Wolverine, et qui ont fait d'autres jeux qui sont quand même des sacrés bangers, quoi. Donc voilà, c'est à faire, putain, regardez-moi ça, putain, la qualité visuelle est fantastique. Et en fait, en plus, là, je regarde ça sur YouTube avec en 1080p, en 4K, en 4K, sur ma Panasonic 4K OLED sans Android TV. Alors là, ça va être un délire incroyable. Donc, donc franchement, incroyable. À faire, à refaire. Voilà. C'est vraiment un très très bon jeu. Il est sorti il y a 2 ans, quoi. Je vois le test de Julien Chaise là. Ah oui, quand même, ça passe vite, hein. Mais le jeu reste fantastique, hein. Ça reste un jeu à faire parce que le jeu a été pensé pour la PS5 depuis le départ. Une vitrine technologique incroyable comme Demon's Souls qui a été refait unique avec la PS5 dans la tête, et du coup le jeu est vraiment très très beau. Les temps de chargement sont juste quasiment inexistants.
C'est comme pour ce jeu-là, c'est juste vraiment incroyable. Et voilà, c'est un jeu à refaire. Voilà, un jeu à faire. Voilà, c'était tout pour Spider-Man PS4. On va passer, je vais peut-être faire encore deux jeux aller. Je vais peut-être en faire un ou deux. J'en fais encore deux, allez. J'en fais encore deux. Et ça sera tout pour cette session. Il faut qu'elle reste assez courte quand même. Parce que là, je suis tout seul. Il y a pas assez de. Voilà quoi, vous voyez. Il n'y a pas assez de fils de pute. Il n'y a pas assez d'enculé. Tu n'as pas de goût. T'as été covidé. Voilà. Attends, je ferme les yeux. Je coupe le micro parce que j'en ai marre d'entendre dire des conneries sur ce jeu-là. Il n'y a pas de troll. Il n'y a pas de tacle. Donc c'est ce qui manque en fait, malheureusement, dans ces sessions où je suis solo. Mais bon, ça vous permet en fait quand même de découvrir des très très bons jeux parce que moi j'ai du bon goût. Et tout ce que je vous ai présenté comme jeu, honnêtement, c'est que des bangers. Voilà, moi je suis sans prétention, mais je pense que quand même j'ai un goût incroyable pour les jeux vidéo. Je pense que ce que je vous. Et donc tout ce que je vous ai montré comme jeu, et même la liste que je vous montre de jeux là, normalement, si t'es un joueur normal, tu devrais kiffer. À part si c'est vraiment pas ton genre, bien sûr. Mais normalement, c'est voilà, c'est universel. Après, il y a des jeux qui sont assez. Ce jeu-là, je suis pas sûr parce que ce jeu est assez ancien. Mais bon, mais voilà. Vous pouvez être sûr que voilà, un gars qui a une TV Panasonic 4K OLED sans Android TV, comme moi, je suis quelqu'un de safe. Qui a un du coup, ça peut être que du bon goût. Donc voilà, et en plus qui possède un iPhone, bon, bien sûr, Team Apple, bien sûr, qui a un iPhone 13 Pro Max de 256 Go, que du bon goût. Donc, ça commence comme ça. Donc là, vous pouvez être, pour ceux qui en doutaient, voilà, je pense que là j'ai validé le certificat de bon goût. Bon voilà, c'est parti pour les deux derniers jeux, parce que j'avoue que ça passe vite. Mais en même temps, ça peut être. C'est dommage pour cette formule-là. Mais on va continuer. D'ailleurs, je le répète, hein, mais il se pourrait bien qu'on fasse cette formule-là en mode un film. On pourrait très bien faire ce shuffle. Shuffle and talk sur les films, sur les mangas, sur le foot. On prend des persos, on prend les joueurs de foot et on trash talk dessus. Franchement, le niveau de. Le niveau, la profondeur de gameplay que je propose face à ce concept qui est claqué mais qui est là est incroyable. Voilà, je suis un génie et c'est comme ça. Bon, allez, c'est parti pour le. J'efface. Je dis n'importe quoi. J'ai effacé. Spider-Man, j'ai effacé. Donc, c'est parti pour les deux derniers jeux de ce soir. Merci encore de me supporter. Allez, c'est parti. Soul Calibur, bordel! Soul Calibur, Soul Calibur. Désolé de gueuler dans le micro, mais Soul Calibur. Moi, j'ai une histoire avec Soul Calibur, mais c'est une histoire avec surtout avec la Dreamcast. Voilà. Ah, c'est pas attaché, Soul Calibur. Oh, mais c'est attaché, pourquoi il m'y. Bon, bref. Soul Calibur. Pour moi, j'ai un souvenir de ouf, c'est que mon pote, il avait. J'ai presque envie de mettre peut-être l'intro. Je vais mettre le son. Je vais mettre le son. Allez, ça mérite de mettre le son. Hop. On va se mater. On va se mater le trailer. On va se mater le trailer. Voilà, on se mate le trailer. Allez. On va se mettre le trailer, tout simplement. Allez. Je teste si le son, ça passe bien.
incroyable. Et c'est pas ce qui est le plus intéressant. Oh là là, Kilik. Oh les gars, Mataneida. J'ai tellement cru. Crier son sa pause de victoire, ce mec là. Alors ce jeu là c'était fantastique. Je voudrais bien mettre Soul Calibur. Je sais pas s'il y a moyen de voir. C'est pas forcément solo, c'était ils faisaient leur kata. Ah ouais, Weapon Kata. Voilà. Je changerai en fait au fur et à mesure. Isa. Alors, moi, l'histoire que j'ai, ce jeu-là, je l'ai eu en fait sur Dreamcast quand il est sorti. Dès que la console est sortie, en fait, ce jeu est sorti à Noël, je crois, sur Dreamcast là en 99, je crois. Et en fait, moi, j'ai eu la Dreamcast dans le même temps. Et je l'avais eu pour Noël aussi, la Dreamcast. Et j'ai eu ce jeu en fait, Day One, avec la Dreamcast. Et ce jeu-là, dans les magazines de jeux vidéo, il était tellement bien vendu. J'avais vu des. Je crois, je sais plus ce que j'avais vu, mais j'avais vu des images, j'avais vu des. J'avais vu même des démos, je crois, où tu voyais les mecs comment ils étaient. Ah, c'était en arcade, pardon, excusez-moi. En arcade, j'avais vu en fait tout simplement des gens, j'avais vu des démos en arcade, mais c'était pas le full jeu, c'était pas le jeu comme ça en fait, c'était pas la version de Dreamcast qui était vraiment très jolie, mais t'avais déjà le côté réaliste, les mouvements, le mouvement des persos était juste fantastique quoi. Je vais chercher d'autres mouvements kata. Le mouvement des persos était tout simplement fantastique, c'était vraiment un truc de fou. Et pour la Dreamcast, moi je me rappelle d'un truc, c'était. Je vais pas parler du jeu, hein. Dans un premier temps, je vais parler de comment j'ai eu la Dreamcast. Je me rappelle que j'étais avec mon frère, on voulait avoir la Dreamcast, elle coûtait assez cher. Ma daronne m'avait dit no way quoi, no way, tu l'auras pas, même en rêvant tu l'auras pas, c'est mort, tu l'auras pas, c'est mort. Mais nous on avait dit mais si, tu sais quand t'es petit tu négocies les Noël, tu négocies ton anniversaire, tu combines les deux pour donner un espèce de Genkidama de cadeau, tu dis ouais. Je combine l'anniversaire et Noël et du coup tu peux acheter et je compare. On est deux, on combine nos anniversaires et Noël, on demande rien pour nos deux anniversaires et en fait t'achètes la Dreamcast. Mais non, on était inflexible. Non, t'auras Waldo, machin, il y aura rien. Noël arrive. Je sais qu'il y avait un pote à homme qui l'avait déjà acheté, qui l'avait déjà eu en cadeau de Noël Day One. Et en fait Noël arrive. On est là. Moi je me rappelle, je suis dans le salon, mon frère est comme ça, on est dans le salon. On a toujours eu quelque chose pour Noël nous avant. Pendant un moment, on avait toujours quelque chose. Soit on avait des on a toujours eu des trucs en fait pour Noël. On a toujours eu des trucs pour Noël et là on était comme ça, le regard totalement perdu dans nos pensées, on était là. Et en fait la daronne, ma mère elle nous regarde comme ça. Et en fait, je sentais que ma mère avait craqué. Je pense, j'avais le sentiment que ma mère avait craqué, mais je n'étais pas sûr. Je la regardais comme ça, mais il n'y avait pas de certitude en fait. Pendant les jours qu'on précédait Noël, j'avais le sentiment qu'elle avait ramené un truc, mais elle avait foncé dans sa chambre. Mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. Tu sais, on est là, on se dit peut-être qu'elle a acheté, peut-être qu'elle n'a pas acheté, on ne sait pas trop en fait. Là, Noël, on arrive, il n'y a rien. Il n'y a rien à Noël, il n'y a rien. On est là, on se regarde, putain. Et là, en fait, la daronne arrive. Elle nous dit. Elle est dans la chambre. Il y a un truc. Dans sa chambre. Et là, on va dans la chambre. Et là, je fais. Oh putain! Gros sac, une Micromania. Incroyable avec la Dreamcast.
Le jeu, bon, elle avait pas pris de carte mémoire. Wesh. Je crois qu'il y avait une seule manette, je crois, ou deux manettes, je sais plus ce qu'elle avait fait, mais il manquait la carte mémoire, mais elle peut pas le savoir. Mais du coup, en fait, du coup, on a branché Soul Calibur. On a commencé à jouer à Soul Calibur. Et on a kiffé, quoi. On a kiffé de ouf parce que déjà le jeu était magnifique à l'époque, c'était photoréaliste. Et en fait, j'ose dire que c'était photoréaliste. Les mouvements des persos, ils avaient la classe. Ils avaient. Voilà, c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Ce jeu, c'était un truc de ouf. En plus, il y avait un mode solo qui était très sympa. Et en fait, au fur et à mesure que tu jouais, t'avais des persos qui se débloquaient. Et du coup, t'avais. Putain, mais c'était un jeu de ouf, quoi. Ça me faisait même effet que Smash Bros. Melee. Mais c'était avant Smash Bros. Melee. C'était un truc de ouf. Hein. C'était le jeu, je me disais, putain, mais ils vont pas pouvoir faire mieux, quoi. C'est moi qui disais ça à l'époque. Putain. Mais t'es petit, hein, tu dis. Mais je me disais, waouh, c'est un truc de ouf, hein. C'est magnifique. Bon, j'avoue que les premières semaines, je crois qu'on a joué en laissant la console allumée dans le salon. Parce qu'en fait, quand on l'éteignait, bah, il fallait faire on refaisait le jeu parce qu'il n'y a pas de carte mémoire. Et je sais pas par quelle magie on a une carte mémoire. Il fallait acheter, t'avais une espèce de VM là. Je vais vous montrer ça. Sur Dreamcast, c'était un VMU, je crois. Voilà, VMU Dreamcast. C'était ça. Ça savait aussi, il y avait des mini-jeux, des fois en fonction des jeux. Putain, 15, j'avais ça 15 euros à République, ça, putain. En plus, neuf. Au moment où c'était pas coté, où tout le monde s'en foutait. Ah ouais. Voilà, c'est gros, ouais, c'est ça le VMU. Et ça, c'était là que t'avais les. Tu mettais sur garde et en plus, ils avaient fait le parti pris de mettre. Putain, mais ces gars, ils avaient fait un truc de malade quand même. Hein. Ils avaient fait un truc de malade, mais qui n'a pas eu d'écho, mais qu'ils ont fait un truc de malade quand même. Et je me rappelle qu'on avait eu. On a enfin eu un VMU. Et dans la manette de la Dreamcast, tu pouvais mettre aussi un vibreur, je crois. Voilà, vibration pack Dreamcast. Voilà. Putain, je me disais, putain, j'ai pas perdu la mémoire sur ça. Il y avait. Putain, c'était les prix. Mais il y avait aussi. Il est neuf. Il y avait ça. Et il y avait le VMU qu'il fallait acheter, toi. Pour être au max. La manette de la Dreamcast était dégueulasse. Pouah. En fait, elle était bien au début, mais en fait, au fur et à mesure, tu te dis putain, c'est une manette de merde. Quand j'ai commencé à jouer à des jeux de combat, ça me niquait les doigts, la croix me niquait les doigts. Bon, bref, c'est perso. Hein. Voilà quoi. La console, elle sort. En fait, là, nous, on a la console, on est là, on kiffe, la daronne, elle nous met bien. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte mémoire. Et plusieurs semaines après, je sais pas comment elle a fait, je sais pas comment ce qui s'est passé. On a eu la carte mémoire, on a aussi une deuxième manette, et là, sur. Pour Soul Calibur, alors là je peux dire qu'on y a joué comme des porcs. Là Soul Calibur, on y a joué comme des porcs. Et c'était juste incroyable quoi. C'était juste un truc de malade quoi. On y a joué comme des porcs. Et moi je me rappelle que mon perso que je jouais moi, c'était bien sûr c'était Killik. Je vais mettre Killik, mais j'ai tapé comme une merde. J'avais pris Killik, et en fait, voilà, putain, Killik, c'était juste fantastique, moi, quand je l'avais. Et en fait, je jouais avec Killik. Je jouais tout le temps avec Killik. On jouait, il y avait mon frère qui prenait, qui passait, qui prenait Mitsurugi. Ou qui prenait aussi Nightmare, ou un gars avec une grosse épée, etc. Et en fait, et réellement, c'est là qu'on a commencé. Pour ce jeu-là, je dois vous avouer que j'ai pas joué casu. C'est-à-dire que là, vraiment, j'allais regarder les j'allais m'entraîner dans le mode entraînement, dans le mode training du jeu. J'allais apprendre les techniques et j'allais chercher surtout les techniques les plus casse-couilles hein, qui permettaient en fait qui étaient assez surprenantes pour finalement assurer ma victoire. C'est-à-dire que Killik, il avait une technique où en fait, il avait un mouvement avec son bâton vers le bas. Et quand les gens se le prenaient, bah ça faisait une espèce de prise, paf, où il y avait des trucs qui permettaient d'avoir d'amorcer des ring out. J'avais commencé vraiment en fait à regarder tout ça, mais c'était sans internet. J'avais pas internet à ce moment-là, 99, il n'y avait pas internet, ou 2000, j'avais pas internet. Et du coup, c'était vraiment purement en fait en mode, voilà, ça. En fait, il y avait que des trucs, il cherchait toutes les techniques qui permettaient en fait de tabasser les autres. Ou même surtout, voilà, cette technique-là. Oh là là, voilà, je l'ai fait de ouf celle-ci. Celle-ci là. Attends, il va la faire. Bam, bam, ça si, je l'ai fait des dizaines de fois.
Et donc, le jeu en fait était très mobile, on pouvait se déplacer en fait dans le dans, au niveau de, au niveau du niveau, on pouvait se déplacer à mort. Et du coup, il fallait esquiver, il fallait se protéger et surtout en fait mettre faire les techniques les plus casse-couilles et les moins lisibles pour que les mecs puissent pas se puissent pas se protéger. Et souvent les techniques c'était aller taper vers le bas. Technique vers le bas, tac tac tac, tu fais vers le bas. Là, le mec il s'y attend pas, il se la prend, etc. Et après j'ai commencé à jouer avec Yoshimitsu aussi. Yoshimitsu qui était vraiment bizarre. Mais j'avoue, pour Yoshimitsu, je faisais plein de techniques un peu à l'arrache. Je faisais plein de techniques un peu à l'arrache, toi. Un peu au hasard. Mais il était vraiment bizarre. Je savais pas que c'était un perso de Tekken. Hein. J'avoue que j'avais vu que j'avais très très peu joué à Tekken. Je savais pas que c'était un perso de Tekken. Hein. Mais j'avais kiffé ce perso. C'est juste incroyable, quoi. Mais Killix, c'était vraiment mon main. Après, j'ai commencé à jouer avec d'autres persos comme celle-ci là, Sagmina, la Ninja. Enfin voilà, j'avais commencé en fait à ouvrir un peu mon catalogue de joueurs. Mais vraiment, Killix, c'était mon main. Mon frère et d'autres personnes prenaient, je me rappelle, putain, des persos. Cervantes là, Nightmare. Il y avait le mec là, le gentil là, voilà, lui, là, mon frère, il prenait lui. En fait, les deux, ils jouaient à peu près de la même manière. Elle aussi était très très forte. Enfin, Mitsurugi c'était le perso un peu de base. Maxi avec ses Nunchaku, franchement, on s'est régalé quoi. On y a joué pendant comme des dingues pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Ce jeu-là, on l'a cramé de partout. D'ailleurs, ça s'est prolongé même sur GameCube avec la version 2 où il y avait Link qui était proposé sur GameCube. Et sur les autres consoles, je crois qu'il y avait Spawn et d'autres jeux, on s'en battait les couilles. Mais il y avait Link. Bon voilà, Link, quand tu mets Link en perso, là, bon, forcément, c'était Day One sur Dreamcast. Donc on l'avait pris sur Dreamcast. Et après, au fur et à mesure, le 3 et les autres, j'ai commencé à. L'intérêt que j'avais, que je portais sur la licence, a diminué pour que ce soit finalement assez OZEF maintenant. J'avoue, maintenant, je m'en bats les couilles de cette licence. Mais c'est con parce que je dois peut-être lui donner la chance sur le dernier qui est sorti. Hein. Mais franchement, là, voilà, OZEF. Mais sur Dreamcast, c'était vraiment un truc de ouf. C'était magnifique. Les persos avaient une classe incroyable. Et en fait, ce jeu-là me rappelle surtout en fait toute l'attente que j'ai eue pour la Dreamcast, pour Noël, les négociations que j'ai pu avoir, etc. Et finalement, le fait de croire que j'allais pas l'avoir. Et finalement, j'ai eu la Dreamcast, quoi. Putain de merde, j'ai eu la Dreamcast à Noël avec Soul Calibur. Et je crois qu'il y avait d'autres jeux que j'avais eu aussi. Ready to Rumble, Toy Commander, mon pote aussi il avait d'autres jeux aussi, etc. Donc voilà, on se passait les jeux, etc. Où je squattais chez lui. Donc vraiment, c'est taper des délires de malade. Donc franchement, Soul Calibur, c'est un banger. Ça restera un banger. Le premier restera un banger éternel pour moi. Bien sûr, les autres sont mieux maintenant. Mais Soul Calibur restera quand même vraiment un très très bon souvenir. Surtout pour tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu en fait ressentir et expérimenter en fait à ce moment-là. Ça me rappelle vraiment les bails à l'ancienne où on attendait à Noël que ta mère venait avec le sac Micromania, avec les jeux, etc. Des très bons souvenirs quand même, des très très bons souvenirs avec le frère. Très bons souvenirs avec le quartier aussi parce que ça venait jouer, les gens du quartier venaient jouer en fait à Soul Calibur, venaient se cramer sur Soul Calibur. Et ça faisait des putains de tournois. Pas autant que sur la 64. C'est là que ça avait commencé à descendre un peu. 64, c'était n'importe quoi. Sur la 64, avec Mario Kart 64, GoldenEye, etc. Là, c'était n'importe quoi. C'était vraiment. Des fois, je me rappelle qu'on était 10 dans mon appartement chez ma mère. 10 quand même. Je sais pas comment ma daronne a laissé passer ça. Mais elle nous a laissé jouer à 10 en train de se tourner la manette. En fait, on était tellement nombreux chez moi que c'était le. Si tu gagnais pas Mario Kart, si t'étais pas premier, les trois autres passaient la manette. Et oui, donc il fallait être premier. Et c'était pareil pour GoldenEye, si t'étais pas premier, tu passais la manette. Donc c'était un trou de malade, quoi. C'était vraiment des tournois à sous-tension. Et c'est là que les gens devaient connaître les raccourcis, quoi, pour gagner. Ou prendre les bons persos. Je crois que tout le monde prenait. Je crois que le gagnant prenait. Le gars qui était le plus rapide prenait Yoshi. Et il avait quasiment gagné quoi. À cette époque-là, c'est ce que nous on pensait, c'est ce que est toujours peut-être là encore actuellement si on joue à Mario Kart 64. Mais voilà, c'était vraiment un truc de ouf. GoldenEye, j'en parle même pas. Mais voilà, Soul Calibur, c'était vraiment un truc de ouf. La Dreamcast, c'était une console que j'en rêvais dans les magazines de jeux vidéo, j'en rêvais.
Et quand je l'ai eu, c'était vraiment très cool. Très très bonne expérience. C'était assez court parce qu'elle n'a pas duré très longtemps en fait en termes de d'exposition, de vente. Elle n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'on a fait 3 ans peut-être avec. Et entre-temps, il y avait la PSU qui sortait, il y avait la GameCube qui sortait entre-temps, etc. En 2002, la GameCube. En 2000. Ben en 2000, ouais, mars 2000. En mars 2000 au Japon, la PS2 qui est venue la couler. Et après, je crois que c'était peut-être en fin d'année la PS2 ici, mais elle était hors de prix. Moi, j'ai dû attendre la PS2. J'ai dû attendre le pack Metal Gear 2 et PS2 pour avoir la PS2. Que j'ai revendu à un pote pour acheter une GameCube. Bref, c'est quand t'avais pas d'argent, pas de revenus, c'est là que tu faisais des échanges de revente pour pouvoir avoir de quoi acheter telle ou telle console. C'était vraiment très, très sympa à l'époque. Donc, vrai, voilà, c'était la Dreamcast, c'était tout pour Soul Calibur. Des très très bons souvenirs. Kilik, c'était ouf. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux trouver une pause de ce que disait Kilik quand il gagnait. Kilik. Ah. 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 Je vais mettre le son. Pour le coup, je vais mettre le son. Alors. Ça c'est le début des matchs. Il y avait cette pause là. Il y a les pauses, les intros et les pauses de victoire. Celle-ci était pas mal, celle-ci, mais c'est pas celle-ci qui m'avait marqué ou que j'avais répété, que j'avais même marqué dans les forums en signature, dans les forums de jeux vidéo, dans les forums tout court, je l'avais marqué un peu partout, moi, même sur Skyblock, je crois, ou je sais pas quoi. J'avais marqué une parole de Kilik même j'avais même écrit en français, je crois. Ah, c'est bizarre parce que c'est ça. Là, mais c'est Ole Makemasen, mais c'est pas celle-ci. Alors, c'est peut-être la version dans Soul Calibur 2, désolé. C'était dans Soul Calibur 2 que j'avais gardé un truc là, de Soul Calibur 2. Kilik, Victory Pose. Ah, je vais pas pouvoir le trouver de toute façon. Ah, peut-être que c'est ça. C'est compliqué. Ah, je vais voir si c'est ça. Nice little smack and a smack and a smack. Alors, en plus, ils sont en anglais là, donc c'est mort. Bref, il y avait un truc, c'était bien. Oh, regarde, Macanainda, c'était dans. C'est qui peut-être la version Skullbird 2 peut-être, ouais, effectivement, j'avais pas tilté. Et donc voilà. Ah, je remets de la musique d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce Calibur. L'expérience était incroyable. Ça me rappelle vraiment l'époque où j'avais reçu la Dreamcast. Je répète en fait, je refais un bilan de ce que j'ai dit. C'était vraiment l'époque où j'avais reçu la Dreamcast. Ça renvoie en fait à l'attente avec les yeux dans le vide avant que ma mère me dise va chercher le sac dans la chambre. Et après, le jeu était fantastique aussi, bien sûr. Hein. C'était un jeu de malade. Hein. Il était ultra, pour nous, il était ultra réaliste. Les poses étaient super naturelles en fait, t'as l'impression de vraiment d'avoir des persos. C'était un truc de ouf, hein, les détails étaient ouf. Je crois qu'à l'époque même, il y avait un magazine qui disait est-ce que c'est pas le plus beau jeu du monde, je crois.
Et franchement, c'était un banger incroyable, quoi. Soul Calibur, ça restera dans mon cœur comme la MIF, le sang. Donc une des fondations qui m'a forgé en tant que joueur. Et l'un des plus beaux souvenirs de joueur. Next. Je peux pas mettre une autre musique là parce que... je vais mettre une autre musique parce que là c'est... Alors c'est pas trop casse-couille. Voilà. Ok. Ok, dernier jeu. Il est déjà. Ça passe très vite en fait. 1h37. J'avais prévu de faire 1h30. Dernier jeu. Et j'arrête là. Ça, on va s'arrêter là. Ça sert à rien de forcer plus que ça. J'aurais même dû m'arrêter sur ce Calibur. Ça aurait été très très bien. Allez, dernier jeu. C'était ce Calibur. Allez, c'est parti. Lumines. Waouh! Lumines. Alors, Lumines, c'est un jeu qui est sorti sur. Je pense que c'est un jeu qui est pas très connu. Enfin, qui est connu pour ceux qui avaient une PSP à l'époque. Lumines, c'est un jeu qui est super connu pour ceux qui avaient une PSP. Et en fait, ce jeu est sorti en 2005 sur PSP. J'avais eu la PSP, mais la PSP avait été piratée. Genre, la PSP a été piratée très rapidement en fait. Et du coup, en fait, j'avais eu le jeu en fait en piratage quoi. Et bah oui. Au final, le mec il dit qu'il a piraté des jeux quoi. J'ai acheté des jeux, mais la console était quand même facilement piratable, je crois. Je me rappelle bien. Avec une espèce de firmware custom. Et en fait, j'ai eu Lumines dans le lot. Bien sûr, que j'ai racheté, que j'ai en vrai. Hein, je sais plus où il est, où là, dans la collection là, mais il est quelque part là. J'ai même en double le jeu. Et en fait, ce jeu-là était fantastique, puisqu'en fait, c'est un puzzle game qui mélange en fait le genre puzzle game, mais qui met aussi en avant le côté musical. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des actions que tu peux faire, tu vas avoir en fait toujours une touche de musique. C'est très porté sur le son, et même au niveau de l'image, par rapport à la PSP qui avait un écran lumineux. En fait, quand tu avais la DS et qu'à côté tu avais la PSP, tu avais en fait un gap incroyable en termes de qualité d'image. La PSP que j'ai toujours ici là, hop. Oula. La PSP que je ne me demandais pas pourquoi j'ai encore la PSP, mais je l'ai toujours, qui est branchée parce que j'ai racheté une. Bon, là c'est pas la PSP, la première PSP, mais là c'est la PSP Slim and Light, celle-ci là. Il y avait cette histoire de espèce de CD là, ça là, on mettait ça là-dedans là, paf. Cette console, elle reste un banger incroyable quand même, je trouve. En tout cas, celle-ci me rappelle des bons souvenirs, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Voyage au Japon en 2008. Et en fait, la PSP en fait avait un écran de ouf. L'écran de la console était vraiment ouf par rapport à la DS. Et du coup, Lumines, que je vais vous montrer là, en fait, avait la primeur en fait d'utiliser l'écran de la PSP, le son que pouvait produire la PSP, pour en fait, tout simplement allier les deux, et du coup t'emmener vers un jeu en fait qui mélange visuel, puzzle game, où il faut faire des carrés, des rectangles. Et le faire avant que le faisceau passe, et au moment où il passe, il va tout simplement effacer tout ce qui est rectangulaire, carré dans le jeu. Tous les carrés que tu as réussi à former, il va les dégager en fait. Carré et rectangle que tu as réussi à former, il va pouvoir les dégager. Et le but, c'est de finalement en fait faire comme un Tetris, c'est de faire le plus de combos possible en termes de formation de rectangle, carré. Pour ensuite gagner des points et après passer à la carte suivante. Ça, c'est le mode normal, on va dire.
Mais ce qui était ouf à l'époque, c'était ça. Je vais tout simplement mettre le son. Je vais voir si, je sais pas si j'ai mis du son sur le stream. Voilà, je vais mettre le son. Oh, attendez. C'est quoi ce... Ah, ils ont dû retirer les sons parce que... Je vais essayer de... Voilà. Ah, putain, ils sont casse-couilles, hein, putain, les mecs, hein. Désolé, je mets les deux sons, je mets les deux trucs comme... Je mets le son de la console aussi. Ah, les mecs, ils peuvent pas mettre le son du jeu parce que sinon ils se font sauter. Parce qu'en fait, là, le jeu, en fait, c'est dommage parce que là, j'aurais bien voulu vous montrer le. Tout simplement un niveau. Le niveau 1. Avec le son surtout parce que c'est là qu'en fait, c'est vraiment très intéressant. Ah voilà, merci. Voilà, avec quelqu'un de courageux. Là, on est sur PSP. Ah voilà, t'as vu, on forme rectangles, des carrés. Avant que le faisceau passe, et lorsqu'il passe, bah ça dégage, ça te fait dégager le truc. Et c'est des carrés que tu dois former, voilà. Et il faut imaginer qu'à chaque passage, à chaque fois qu'on bouge. Ah, elle m'a souri. Là, en fait, à chaque fois qu'on bouge, en fait, en fait, tout était une histoire, tout était prétexte à avoir du son. C'est-à-dire il y avait le son qui passait dans le jeu. Et les mouvements que tu faisais, toi, quand tu faisais bouger les pièces, il y avait un son qui était souvent en concordance avec le son avec le son du moment, le son qui joue dans le jeu. Du coup, il y avait ce truc-là déjà, tu étais en train de balancer ta tête comme ça. Et quand tu faisais bouger les pièces, quand tu faisais slider très rapidement les pièces, droite à gauche ou très rapidement vers le bas, tu avais aussi ce son, des sons qui étaient en fait appliqués. Du coup, il y avait... c'est comme si tu... à chaque partie, tu avais grosso modo une sorte de mixte qui était fait en fait tout en jouant. Et en fait, avec la couleur de l'époque, hein, avec l'écran de la PSP qui venait t'illuminer les yeux, quoi, t'étais totalement ébloui par la couleur, ce que pouvait ressortir la console, bah, t'étais pris dedans. T'avais des écouteurs, t'étais pris dedans. Pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, il est disponible sur PS4, d'ailleurs. Et je crois qu'ils ont repris à peu près quasiment les Ils ont réussi à récupérer quasiment toutes les musiques de la version PSP. Je vais le faire tourner pendant un moment et je vais vous montrer un des sons qui m'avait rendu ouf. Vous avez vu le bruit là d'arrêt là le tiouf, enfin l'espèce de bruit qui se mais c'est lorsqu'on fait bouger des pièces rapidement en fait c'est vraiment le jeu en fait c'est ça en fait c'est le mélange des trois sens qui sont mélangés et le studio Q qui appartient en fait à Mizuguchi c'est un japonais qui avait fait plusieurs jeux musicaux de ce type là un peu comme ça hein. Tetris Effect Space Channel 5 etc et ce mec là il est C'est un boss quoi. Et ce jeu-là en fait je me rappelle pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. Pourquoi j'ai choisi ce jeu-là? Parce qu'en fait c'est la claque que j'avais reçue en fait à l'époque. C'était en fait l'écran de la PSP m'avait ébloui les yeux en fait. Et ce jeu m'avait mis dans un tunnel en fait. J'avais le tunnel
Quand je jouais à ce jeu-là, j'avais pendant une demi-heure le temps de finir ma partie. J'étais mis dans un tunnel où j'étais en train d'essayer d'enchaîner les carrés là. Tout en ayant ce son. En plus, on reste pas sur la même map. C'est-à-dire ça va changer de map. Au fur et à mesure que tu as atteint un certain niveau score, ça te fait pivoter sur une nouvelle map et avec un nouveau thème, un nouveau son, etc. Et en fait, t'es enfermé dans un tunnel où t'es là, c'est extraordinaire quoi. C'est vraiment, pour l'avoir vécu, c'est juste ouf quoi. Et le jeu m'avait ébloui quoi. À l'époque, c'était un truc de ouf. Hein. Et j'étais arrivé à un moment donné où j'avais fait un stage. Je vais avancer un peu plus dans le game. Je trouve que le mec, il était de gaze le mec. Hein. Rien que ce son-là, Shining de Mando Grosso, était juste ouf. Alors, je sais pas s'il arrivait. Je sais pas s'il arrivait au son que je voulais. Ah voilà, il est arrivé. Là, t'as vu, à chaque fois qu'on fait bouger la pièce, ça fait bali, 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 bali. Il y avait là, c'est la voix qui vient s'ajouter en fait à tes mouvements. Là, dans notre map, c'est des sons en fait, des drums, c'est des trucs, des claps, des machins qui viennent s'ajouter à tes mouvements. Et là, c'était la voix bali, 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 qui venait en fait s'ajouter dans le son qui était mis actuellement. Check your body, check your body, check your body, tout de suite. Down to the ground, excuse-moi. Ce stage-là, je me rappelle à l'époque, là, c'est. Pour là, actuellement, c'est Osef. Pour une personne qui le voit maintenant, c'est Osef Thiers, quoi, de ouf. Mais à l'époque, quand je l'avais eu dans les yeux, moi, ça m'avait. J'ai fait what the fuck, j'avais les yeux qui étaient fatigués parce que j'avais passé, bah pareil, hein, sans doute une demi-heure dans un tunnel en train de faire ce jeu-là. Et quand je suis arrivé sur cette map-là, en plus d'avoir ce son qui était très emballant, bah je me suis retrouvé ici en fait. Bah le mec il va perdre, parce que c'est quasiment la fin de la vidéo. En fait, c'est le jeu qui m'a. Ce jeu-là m'a forcé à me dire, mais attends. Je me rappelle qu'à un moment donné, quand je jouais un peu au hasard, tu sais, sans réfléchir. Et j'arrivais pas loin dans les maps. Et en fait, à un moment donné, je me suis fait, mais attends, arrête le jeu comme un teubé. Et comment tu fais pour former. C'est quoi la tactique pour former des putains de carrés rapidement, en fait, pour commencer à préparer des carrés? Tant que t'as pas réfléchi, tu vas jouer en mode random comme lui. Bref, voilà. C'est l'expérience que j'ai eue avec Summoners qui était extraordinaire. Moi, je l'ai pas eu, je l'ai peut-être eu, pas eu en 2004, mais peut-être quelques années plus tard, je sais plus, je me rappelle plus exactement. Mais en fait, la PSP, c'était un truc de ouf. Quand je l'ai enfin eu, moi, je l'ai eu. Après, j'ai eu ma version PSP là, j'ai eu la version que j'avais achetée en 2008 au Japon. C'était Simulink Light qui était vraiment fantastique. Je me rappelle quand je jouais dans le métro japonais avec des potes qui avaient aussi eu la PSP. On jouait à la PSP. Voilà, j'avais acheté plein de jeux sur PSP à ce moment-là. C'était facilement piratable. Donc voilà, là j'ai tout remis en normal en fait. Hein. J'ai tout remis en mode normal parce que maintenant je m'en fous hein, de pirater machin, je m'en fous. Mais voilà, c'était vraiment. Lumines fait partie de ces jeux qui m'ont mis une claque sur PSP. Mais vraiment pour. C'est pas une question, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue à l'époque et ça me rappelle des souvenirs où voilà quoi, ça rappelle plein de souvenirs de l'époque où ça piratait la console comme des porcs tout simplement pour avoir des jeux gratuits hein. Non, Lumines, c'est vraiment le jeu il paye pas de mine mais il m'avait mis une sacrée gifle
en termes d'expérience perso, quoi. C'est vraiment, c'est voilà, il y a des jeux comme ça qui te défoncent la tête. Là, celui-ci m'avait mis une gifle, hein. C'est vraiment le jeu, l'écran, le son et le puzzle game, les systèmes de puzzle, ça m'avait mis dans un tunnel, je me rappelle. C'était incroyable, un tunnel de ouf, un tunnel de ouf. Donc voilà, c'est l'expérience que j'ai eu avec ce jeu. Incroyable. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Il est 23h. On a passé, on n'a pas, j'ai pas voulu parler, j'ai pas voulu trop voulu me, j'ai pas trop voulu, comment dire, trop plonger dans les détails de certains jeux. Mais c'est pas très grave. Le but, c'est quand même, c'est, ça reste le but, c'est de parler d'expérience ressentie sur tel et tel jeu. Je pense que de toute manière, dès qu'on sera plusieurs dans le jeu, moi j'espère être au moins 5. Et comme ça, on prendra chacun deux jeux qu'on fera tirer au sort dans le random picker que je vais redévelopper moi-même. Hein. Je vais faire un truc sympa. Je pense que je vais faire une version. Ça, au fur et à mesure qu'on aura en fait, qu'on avancera, je pense que je vais commencer à ajouter du CSS, je vais mettre des trucs sympathiques, etc. Parce que là, ça me casse les couilles de devoir me plier un truc fait par un random. Et voilà, c'est moche en plus, etc. Je trouve que ça c'est moche. Moi, je pourrais faire un truc plus simple au départ et après faire des effets, etc. Je pourrais faire un truc très sympa dans un premier temps moi-même. Et je pense que je vais faire ça, hein, tout simplement. C'est très simple à faire. Enfin, la fonctionnalité que je vois, elle est très simple à faire. Et puis voilà, hein, ça va être. Voilà, je pense que il faut que je me donne un petit week-end tranquillou, une petite journée dessus, tranquillou à faire ça pour une première version. Et au fur et à mesure des autres semaines, j'ajouterai des idées, un peu de CSS, un peu, quand on dit CSS, un peu de couleurs, peut-être des effets en JS, je sais pas, on verra ce que je peux faire en fait, ce qu'on peut, on peut tout faire en fait, hein. Et pourquoi pas en fait, lorsque tu mets le jeu, ça va lancer peut-être dans une version plus tard, tu auras un visuel du jeu qui sortira. Mais là, on n'en est pas encore là en fait, là, on va faire très très simple. Pour l'instant, le online random picker est pas mal, hein. Mais j'aimerais bien faire un truc à ma sauce. Comme ça, on va s'épargner plein de trucs. Et puis voilà quoi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien kiffé ces petites expériences personnelles autour des jeux que j'ai pu en fait, qui ont été tirés au sort. Et en fait, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de faire forcément en fait, le récap technique, etc. De ces jeux-là, même si c'est très intéressant, c'est pas forcément le but. On peut très bien. Je l'ai fait pour Spider-Man, je l'ai fait pour d'autres jeux. Mais c'est aussi en fait d'avoir une certaine expérience, de parler du jeu même, même du contexte dans lequel on a pu y jouer, le contexte de vie, les potes, les machins, etc. Bon, encore une fois, je me répète, hein, j'ai dû le faire ça tout seul. Mais la prochaine fois, on sera beaucoup plus. J'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux pour pouvoir le faire. Et puis voilà quoi. Même pour ceux qui veulent juste rester en fait en pas forcément en cam, mais qui veulent juste rester en vocal, ça nous convient totalement en fait, parce qu'on a tous eu des expériences, on a tous eu des choses, des trucs à dire, on a tous vécu tel ou tel jeu de manière différente, et c'est bien des fois de venir en discuter et de délivrer comme ça, et je pense qu'il y a toujours des gens qui pourraient s'y intéresser, du coup eux-mêmes qui avaient ce jeu-là pourraient se dire putain il a vécu ça comme ça. Putain, moi, j'ai pas vécu comme ça. Et en fait, il s'agit même pas d'un concours de valeur finalement, puisque l'expérience de base, les souvenirs de base qu'on a pu avoir à tel ou tel jeu sont totalement différents. Et du coup, en fait, on a chacun nos petits souvenirs, même si des fois on a pu jouer une daube incroyable. J'aurais pu mettre École de Dauphin par exemple. Et je me rappelle que j'avais une anecdote de malade avec École de Dauphin. Mon pote qui s'est foutu de ma gueule pendant 30 minutes sur ce jeu-là en me disant, mais c'est quoi ce jeu de merde? Et à un moment donné, j'ai craqué, je suis parti le revendre, toi. Et ça aurait pu être un jeu. Je parle même pas du jeu en lui-même, quoi. Je m'en fous du jeu en lui-même, finalement. C'est du contexte. J'ai acheté le jeu en pensant que c'était un banger incroyable parce qu'il avait été super bien noté dans un magazine de jeux vidéo. Je mets le jeu dans un Dreamcast, un capote qui était curieux. Et finalement, le mec, là, il s'est tapé des barres jusqu'à j'ai pris le seum et je suis allé à République pour l'échanger, quoi. Pour le revendre, pour prendre un autre jeu. Simplement, j'avais pris NBA 2K. Je me rappelle, j'avais pris un jeu de basket à la place parce que le jeu, c'était de la merde, quoi. C'était vraiment de la merde. École de fin sur Dreamcast, c'est une fraude incroyable d'ailleurs. Je suis vénère d'avoir pris ce jeu-là et de m'être fait enculer par console plus, hein. Putain, bande de bâtards, quoi. Hein?
Heureusement que maintenant c'est fini tout ça, cette Zumba là. Bref, merci encore d'avoir suivi ce live. Je vais finir par une musique japonaise, même si on se fait couper par Twitch, j'en ai rien à battre. On va finir en musique sur Stay With Me de Miki Matsubara, c'est un banger hein, qui est revenu. Ce qui est ouf, c'est que cette musique-là est revenue un peu à la mode là, dans les trends sur TikTok, Instagram, etc. Je suis super content parce que moi je kiffe le Japon, donc forcément la famille, quand ça revient, on kiffe. Un peu de pop, de city pop, ça fait toujours du bien. Années 80, années 80, ouais, c'est plus années 80, 70-80, let's go, stay with me.